Aujourd'hui, la réhabilitation de cette route et le fruit de nos investissements dans le secteur routier montrent à quel point ce type d'infrastructure en particulier peut apporter des transformations. Monsieur le Président, chers habitants de Cap-Haïtienne, nous savons tous que le tourisme est un secteur prioritaire pour le pays et tout particulièrement pour le département du Nord. Avec son riche passé historique, son héritage culturel d'importance universelle, la destination Nord est un pilier de la politique de tourisme du gouvernement. Chaque année, plus de 500 000 touristes accoustent sur les plages chaudes de la Badie. Avec cette route que nous inaugurons aujourd'hui, seul un trajet de 20 minutes les séparera du centre de la vie historique de Cap-Haïtienne, permettant ensuite de poursuivre jusqu'à la citadelle du roi Henri Christophe et de la beauté extraordinaire du parc national historique. De cette route, j'étais un entrepreneur, j'avais l'habitude de me rendre à la Badie. Fallait mettre plus de 2 heures parfois pour se rendre à la Badie. Aujourd'hui, avec la construction de cette route, en moins de 20 minutes, nous pouvons nous rendre aujourd'hui à la Badie. Voilà pourquoi le pouvoir que vous m'avez donné, j'ai pris la décision, une décision extrêmement difficile et courageuse pour construire 4000 km de route sur les 4 ans qui me restent au pouvoir. 4000 km de route, ça fait 1000 km par année et ça fait 100 km par département par année. Le département du Nord n'est pas exclu de ces 100 km. Le département du Nord va avoir 100 km de route pour cette année. Le ministre des Travaux publics qui est là, le directeur départemental des Travaux publics qui est là, le président de la commission des Travaux publics du Sénat qui est là. Ils sont tous témoins de la volonté manifeste du président de la République et cette volonté qui s'est manifestée par l'achat de plus de 123 millions d'équipements lourds, de dollars d'équipements lourds. Et nous avons équipé toutes les directions départementales de ce pays. Le département du Nord a aujourd'hui des équipements lourds pour construire des routes, pour interconnecter les communes. Comme je l'ai dit le mois dernier, nous allons commencer avec la route de Plaisance allant vers Pilate, la route de Limbé allant vers Port-Mago, la route de Barrière-Battant en passant par Dondon pour aller vers Saint-Raphaël. La route de Grande Rivière du Nord, en passant par Baron, par Renquitte, par La Victoire pour aller vers Pillon. Nous allons interconnecter toutes les communes du département du Nord. Parce que ce pays nous appartient. Et c'est pour ça que je viens avec cette nouvelle stratégie qui est la caravane du changement. Nous ne voulons plus cette politique de slogan, pays à bouquet, avec slogan. Jodi a fon travail, ça que ça, nous marier jodi. Je remercie la Banque mondiale pour le financement ça. Même profiter pour me dire peuple, de 1er janvier 2006 au 31 décembre 2016, Haïti recevoir dans mes amis nous dans international là plus passer 11 milliards de dollars. Nous comptons combien vous avez coûté? On fait un exercice. Dans 10 ans, Haïti recevoir plus passer 11 milliards de dollars. Route ça a coûté 8 millions de dollars. Ça veut dire route ça a pas même 0,0001% de l'argent Haïti recevoir. Calculez combien route qu'on s'est fait dans Kobla. Je dis, hein, c'est pour ça. M'a dit international là, Haïti sous un autre leadership. Nous voulons que Kob, que frère nous,
l'international a décidé ben nous, c'est nous qui pour dire ça pour qu'il fasse l'argent. C'est pas eux pour dire nous ça pour qu'il fasse l'argent. Là, c'était pour l'inauguration route ça, route Labadia. Et vraiment, pour les gens qui sont habitués à fréquenter zone ça, et c'est un tronçon qui fait pile problème. Et ça demande un peu de temps pour avoir accès à site Labadia. Et je dis, avec construction route ça, ça peut faciliter les gens dans zone de tâche là. Et nous pas oublier, Labadia, c'est un site qui a attiré vraiment un peu de touristes, un pile bateau croisière qui généralement fait escale dans la zone Labadia. Alors là, il y a le président de la République là, qui faut encore engager pour continuer à avancer sur route ça. Et la Banque mondiale qui est présent, et le représentant de la Banque mondiale en Haïti, qui a même bourré de l'argent pour route ça, est arrivé faite. Et le chef d'État a souligné et pourquoi elle est là. L'État haïtien, pareil pour prendre tête bien Charles, c'est l'État haïtien qui a dit dans quel sens vous voulez pour l'argent qui a venu venir. Ça n'a qu'à aller aide au développement. Qui gens pour le canaliser, qui ça doit faire avec, et par rapport avec ça, on même défini hein, comme priorité. On a toujours été là-bas dit, et là, Sabine Jean-Étienne avec Jean-Marie Duhané, qui te parle avec quelqu'un dans la zone, après la construction de route là, et les gens qui habituent à fréquenter la route là, et pour dire même, qui gens comprennent ça que fait là, dans quel sens sur quoi ça capable porter en plus pour la vie, surtout si là, qui n'a question commerce, ils ont exprimé comme ça, le micro Sabine Jean-Étienne avec Jean-Marie Duhané, on a suivi ça. Téléspectateurs, Télévision Nationale d'Haïti, une belle salutation pour nous tous. Je dis à Télévision Nationale d'Haïti trouvée et sur route Labadia qui prale officiellement ouvert à circulation. Route ça qui était faite en roche, qui était faite en terre battue. Je dis à toutes 6 km là, sorti en bas dans ville au cas privé, ici là en haut Labadi, eh bien, toutes 6 km là, li entièrement asphalté. Ça qui fait plaisir, moun nan zone nan, qui ba impression yo, parce que nous connaissons Labadi, c'est un pôle touristique qui est très important dans le département Nord-Orléans et ça va augmenter la quantité de visiteurs dans Labadi. Là, nous trouvons dans la localité Fort Bourgeois, une localité que nous passons avant d'arriver à Labadi. Moun yo tap exprimé, yo di ki sa yo pense. Parce que en pile moun nou parle nan route la, yo di yo ta souhaité que yo capable bénéficier de avantage touristique ka pral gagner, augmentation visite yo ki pral gagner dans Labadi pour yo même qui sur toute route là pour capable joindre nan avantage ça, avantage au niveau économique par exemple. Nous connaissons les touristes venir, touristes la acheter, touristes la descendre dans hôtel, touristes la manger produit local. Donc touristes la acheter tout œuvre artisanale yo. Donc yo ta souhaité que président République là pense avec yo gen moun ki di yo ta souhaité que gen des petits business qui fait sur toute route là, des petites carroute, yo ta souhaité tout artiste exposer œuvre yo sur toute route là. Donc moun ka vin visiter la Badi yo pas seulement acheter là au support là, là on dans la Badi là au bord plage là, mais a bien possibilité pour yo faire achat sur toute route là, ça ka permettre retomber économique yo, river joindre l'autre localité avant joindre la Badi yo. En gros, c'est ça. Télévision Nationale d'Haïti a pas avec pendant toute journée pour aider suivre toute cérémonie, toute étape journée. Arrivé président de la République là avec invité de marque, inauguration route là, discours président de la République là. N'a pas rien pour nous suivre tout ça avec Télévision Nationale d'Haïti. À tout de suite. Route nous avons souffert pour longtemps. Donc, à bon ça, le gouvernement passé, il a tracé, tracé sous tracé, mais pas jamais bien qui fait. Mais, grâce à bon Dieu, puis HTK a venu, puis il a exécuté la route là pour nous. On dit merci parce qu'il est venu dans la poussière, parce que, on peut imaginer sa poussière capable de faire servir au monde, créer un peu de maladie.
Et c'est pour ça que je suis toujours à courir équipé HTK dans tout sens. Moi-même, je viens habiter dans la zone, non, mais quand même, je suis satisfait de tout. Parce que si toutefois que je viens dans la zone et puis route la fête, et quand même parce que y a plus de monde capable de visiter, ainsi tout le monde autre là vient capable de une valeur de plus à cause de monde qui vient visiter, vous comprenez? Et autre là sont gros bagages, surtout à cause de la badie, à cause des touristes qui viennent là. Quand même faut me dire ça, et ça son gloire, il mérite un gros bravo à cause de autre là qui fait là. Ben, ça que n'a pas connait, comme je te dis que c'est autre là qui attend pour une fête pour touristes capable venir. Quand il y a la moukoua ou la fin de fête, les touristes vont descendre, que les touristes sont supposés commencer à descendre parce que quelques jours, bon quelques temps depuis que la fin est là, on est là, on a besoin de touristes capables de descendre. Ce n'est pas pour moi-même directement, mais pour l'autre monde qui a une idée, qui est artisan pour capable faire artisanat, pour capable vivre. Et moi, je crois que depuis que touristes ont fréquenté le lieu, quand même, je suis amélioré. Merci en pile Sabine Jean et Tien Jean-Naël Duvanet. Là, c'est Moun dans la zone de la Badique, Tabdinou, qui, à quel niveau route ça? Il y a une construction route ça pour être capable, pour autant plus, de faire une différence. Et puis, quand même, nous, Naël, t'es aidé, nous, font une visite sur route la Badia, ou même qui est à l'étranger, ou même qui Poco, n'est-ce pas vrai? Qui est en Haïti, mais qui généralement pas fait route ça. Ou même tout habitué à faire, qui Poco fait, après, les fines, tout travail, ça, au fin fait là-dedans. Alors là, quand même, nous, Naël, t'es aidé, nous, font un petit coup de pied, font une visite via image, l'été prend pour nous, jeudi, on a rappelé. C'est pas trop longtemps, depuis août ça, il ouvrit officiellement la circulation. Le président de la République, Jovenel Moïse, était là-bas 10 matin. Il était avec lui, représentant Banque mondiale dans le pays, qui au même tout a été intervenu dans le cadre de la cérémonie officielle pour inaugurer travail construction route Labadie. On a toujours été dans le pays, face à nous prendre le Nord-Est, avec Agritrans. Chaque fois, on dit Agritrans, nous pas capables de pas songer. Actuel président pays, Jovenel Moïse, mais on a souligné, je dis à l'autre équipe qui a mené et ferme. Et mais au fait, président, il y a avec lui un pile invité qui au même été accompagné dans le cadre d'inauguration route Labadia. Il a profité, faire visiter Fernand et de ouais, ça a été qu'on fait avant d'arriver président, puisque il a travaillé dans la question agro-industrie avant d'être chef de l'État. Je veux dire, il n'a pas allé comme responsable Agritrans, puisque ce n'est pas lui-même qui a contrôle Agritrans depuis le film pour le bac PIA. Mais tu es tenu à et fait et représentant Banque mondiale, l'autre invité qui était là dans le matin, regardez qui qualité de travail tu as fait avant de gagner un contrôle pays d'Haïti 7 février 2017. Là. On a suivi comment ça t'est.
Voilà, là nous sommes dans le nord-est, au du nord, dans l'Agri-Trans. L'Agri-Trans, c'est nous voyons la réalité, nous voyons comment la situation est, nous voyons bon agneau, et nous voyons ensemble de monde qui travaille sur Fernand, et le président de la République, Jovenel Moïse. J'ai profité du passage dans le nord pour mener représentant de la Banque mondiale, l'autre autorité qui a accompagné Lyo dans l'Agri-Trans. Même si ce n'est pas l'Inodia qui a mené le BAC Agri-Trans depuis qu'elle dirige le pays, mais au fait, il était à le montrer et ensemble d'invités à eux, qui savent ce qu'on fait, et dans qui secteur tu es investi, qui sa réalité tu es avant. Eh bien, tu prends le contrôle du pays et suite à l'élection, sur ça le prêté seulement 7 février 2017. On a toujours été dans le nord et face à nous aller dans le nord-ouest. Nord-ouest, oui, mais ce qui est toujours dans le grand nord. Nous allons prendre le port de paix et puisque le week-end, ça, mon équipe nous a fourni Gégadé qui vient ça y est et sur Kafoujof. Habillé gagné, c'est un gros défi. Hein. Route Kafoujof en sa folleur. Ça, c'est un gros défi et le monde nord-ouest. Pas négocier tronçon route ça. Et c'est une promesse, le président de la République l'a fait mon nord-ouest et il dit l'a kembe promesse mon nord-ouest après tant. Tant que t'es ceux qui ont besoin d'appui pour que route ça, l'y fait et le finit côté doué fini. Hein. Ça vraiment fait toute une différence pour le département ça, puisque c'est quand même un département traité en parent pauvre. Par contre, c'est dans le nord-ouest déjà, mais vraiment ça m'a dit en pile fatigue, l'or a fait route Port-au-Prince, nord-ouest là. Et je dis à avec ton construction, tronçon, carrefour, je pense à Fouleur, ça prend le poté en plus. Nous allons regarder comment ça y est, ce que le travail a fait, dans quel niveau il a avancé le travail. Pas oublier tout car avant de lancer cette février sur tout le pays, il était intéressant pour nous connaître dans quelques communes dans notre ouest là, qui sa réalité est, qui sa tente, qui sa souhaite être faite. Dans quel niveau tu as remis le travail caravane arrivé sous communauté Payo. Richardson Joudan, ben avec tout PEMS Jean-Baptiste, tu es sous place dans notre ouest pays à week-end ça. On a regardé avant, nous avons suivi Major. Qui ça, Richardson, qui est dans Diakoutli pour nous? Richardson, bonsoir. Nous saluons Sergio Lindo et puis tout, nous saluons tout le monde qui branchait Télévision Nationale d'Haïti dans le moment ça. Nous connaissons chaque week-end Télévision Nationale d'Haïti mobilisée. Dans différents coins dans le pays, il y a une façon pour capable faire la population connaître qui s'est capable fait dans le cadre de caravane changement. Pour le week-end, le premier côté, nous étions dans la ville de Port-de-Paix, qui est dans le département nord-ouest du pays. Nous avons parlé avec le magistrat adjoint de Port-de-Paix, Tony Vergniaud, lui-même qui salue l'arrivée de la caravane changement dans la région nord-ouest. Il pensait que grâce à la caravane qui arrive là, il y a un ensemble de problèmes qui gagnent dans la commune qui va le résoudre. Nous pas traité là seulement, nous sommes allés rejoindre le directeur départemental travaux publics là. Lui-même qui parle de nous des matériels qu'il a déjà recevoir. Et il fait qu'on ait une mise en place qui est déjà faite pour capable faire caravane atterrir tout bon dans la région nord-ouest là. Nous pas traité là seulement, nous sommes allés rejoindre le directeur départemental agricole nord-ouest là. Le directeur a parlé de nous des plans d'action qu'il a déjà mis en place, qui est mis en place qu'il a déjà fait, côté a déjà chita ensemble avec tout agriculteur. Yo même qui dit yo qui problème yo gagne ça braler de yo connaît qui côté yo doit intervenir les caravanes démarrer tout bon nous pas traiter là seulement parler avec magistrat ni responsable ça yo nous te parler tout avec membre dans population dans commune Port-de-Paix yo même qui parler nous de yon ensemble problème qui gagne dans ville ça tant qu'on fatra l'eau qui envahit ville là yo pense grâce avec caravanes qui rivé là problème ça yo pral résoudre ou bien pral gagne amélioration dans problème ça yo. Nous ne pas traiter seulement dans la commune Port-de-Paix. Nous sommes dans la commune Saint-Nudinor. Côté nous avons parlé avec le directeur général Myria, lui-même tout, lui bat bravo pour la caravane qui arrive dans le département nord-ouest. Il pense que grâce à la caravane qui arrive là, il y a un ensemble de problèmes qui gagnent dans la commune Saint-Nudinor. Tant que la route n'est pas connectée, la route, il pense qu'il y a le fait en façon pour que ça soit capable de connecter ensemble avec Saint-Nudinor. Nous pas parler avec le directeur général là seulement, nous te parler avec les gens qui vivent dans Saint-Louis du Nord. Yo même tout yo bat bravo pour caravane. Yo parle nous tout de ensemble problème qui gagne dans Saint-Louis du Nord tant que problème d'eau potable, problème courant qui yo gagne dans Saint-Louis du Nord. Yo espérer pendant passage caravane changement tout problème ça yo pral résoudre. Nous pas traiter seulement dans Saint-Louis du Nord. Nous te rendons dans Kafoujof route ça qui mène jusqu'à Port-de-Paix. Côté nous avons rencontré avec le délégué départemental nord-ouest, qui nous a parlé avec lui, qui parle nous des mises en place qui a fait une façon pour que ça capable continuer à faire jusqu'à ce qu'il arrive en sa forêt. Jean a souhaité ça. Il parle nous de 3 km de route qui déjà additionné sur ça déjà fait là. Asphalte qui est mis sous yo.
Ils pensent que ce travail-là qui a déjà démarré et puis tout mobilisé, toute équipe mobilisée pour capable faire route ça, arriver jusqu'à en sa folie, Jean, président de la République, là, espérer ça. C'est tout côté ça, nous sommes passé pendant le week-end dans Sergi Nolendo pour nous capable faire la population connaître qui s'est capable fait dans le cadre de caravane changement dans le département nord-ouest. Là. Toute équipe a été mobilisée, nous tous sommes ensemble, c'est comme ça que nous avons fait, c'est comme ça que nous faisons, c'est comme ça que nous continuons à faire. Nous sommes toujours là pour nous capable faire la population connaître qui s'est capable fait dans le cadre de caravane changement. C'était Richard Tonjoudan depuis le département nord-ouest PIA pour la télévision nationale d'Haïti. Jason Joudac, PEMS, Jean-Baptiste, qui pourrait aller de nous faire vivre Ronsan dans le nord-ouest, pays d'Haïti, il était Saint-Louis du Nord, il est passé sous 300 août, Cafoujoua François Foller, il est allé port de paix, il parle avec la population, mais tout il parle avec l'autorité. Parce que je ne dis pas, et lui local, il a une grosse responsabilité, c'est eux-mêmes qui connaissent la réalité mondiale, c'est eux qui disent que ça va y aller. Et il y a une pression sous deux tout, et pas oublier, département ça a un pile problème, question infrastructure, question route là, vraiment. C'est un gros défi pour l'autorité par rapport avec le département nord-ouest là. Et un plus gros défi que l'exécutif l'a levé, c'est la construction route Cafoujoua-François Foller qui a déjà démarré. Mais avant d'aller sous tronçon route Cafoujoua-François Foller, nous attendons qui sa autorité au Genadja Koutio, qui sa attente par rapport à caravane changement, qui côté au quoi tu as mérité garder pendant le passage caravane, qui problème qui t'a dû adresser. Dans l'intérêt de la population, zone, yo, commune yo, dans le département ça. C'est quelques questions que nous avons abordées avec vous. On nous suivre précision, dans le micro, Richardson Jourdan, à PEMS Jean-Baptiste. Chaque télévision nationale d'Haïti mobilisée dans différents coins dans le pays, il y a une façon pour être capable de faire vivre comment le caravane de changement a déroulé dans différentes régions. Côté qui travaille, il a regardé comment le travail a avancé, parler avec les gens sur qui ont travaillé. Côté travail pour démarrer, nous parler avec les gens, même tout qui dit nous attendons des passages de caravane de changement. C'est comme ça que nous présents là dans le département nord-ouest pays, précisément dans la ville Port de Paix. Côté n'a pas pour nous parler avec le magistrat Villa, n'a pas parlé tout avec le directeur départemental agricole qui gagne dans le département ça, n'a pas parlé tout avec le directeur départemental travaux publics là, yo même qui pral dit nous mise en place qui déjà fait pour caravane changement. Pour question caravane, même avec tout côté dans la République là, nord-ouest là tant ni tout. Étant donné que le président de la République, là, Jovenel Moïse, par alliance, M. Sénèg Nord-Ouest, dans tout discours président, il a toujours dit qu'il y a un problème, pas de paix, et Nord-Ouest, personne n'a pas besoin de dire. Mais je dis à qui tu me dis ça, parce que personne n'a pas contre toute bagaille. Le président a un bon parti, oui, parce qu'il vit pas de paix. Et pour ça qu'il y a un caravane, population nord-ouest là, Port-de-Paix en particulier, a obtenu en pile bagaille. Parmi bagaille, Port-de-Paix a obtenu, dans ce qui a ouais avec infrastructure. C'est vrai, le président déjà fait un lancement. Cafoujoua pour arriver Port-de-Paix pour aller sa folie et peut-être plus loin. Très belle initiative. Mais, une correction si le président a fait, est extrêmement positif. Puisque l'usine qui a construit, qui a fabriqué, qui a préparé le goudron pour la cul, petite correction, le président a mis, ou bien il a demandé au ministre PTCA, de mettre en équipe la cul à Cafoujoua, que un peu le monde est Cafoujoua, la cul en direction Port de Paix. Travers la tape marché, puis bien. Même pas dit ça qu'a fait là, pas fait bien. Parce que je n'ai pas de connaissance en thème de ça. L'autre attente population, c'est pour ta ouais. Route Port-de-Paix, Croix-Saint-Joseph et même au Piton. Puisque le président déjà a gagné Port-de-Paix à Ansafoleur et même plus loin, ça ne me parle pas de lui. Port-de-Paix à Banon-Ouest.
qui est là dans Jean Rabel, Moul Saint-Nicolas, Bombarde, B2N, ça, il est capable de manger. Même si il n'est pas asphalté, mais au moins, tu as gagné en maintenance qui fait dans la route ça, parce que depuis la pluie tombée, Port de Paix apparemment séparé des départements. Par exemple, Port de Paix, elle fait la pluie, problème Monio. Et tout problème Port de Paix confronté en termes de déchets, toutes sortes de Monio, et là, la pluie grenée, de l'eau a traîné au vin dans la ville. Pour le présent moment, la pluie qui a tombé depuis 2 janvier, à Konya, parce que de temps en temps, la bête farinaï, moins la pluie, 15 minutes, la rue Port de Paix est un monde pas cassé ou qu'elle est. Fatra, la boue, toute qualité bagaille. Effectivement, TPTC se trouve sur le matériel. Et pour caravane, mais forme du tout, caravane n'a pas seulement concerné TPTC, il y a d'autres institutions qui entrent dans la caravane. Dans tout. Mais dans ce qui concerne nous, le travail TPTC a fait, c'est que nous gagnons 3 grands axes qui sont censés prioritaires pour nous. C'est Port de Paix, Jean Rabel, Port de Paix et Kafoujof, Gonaïve et Port de Paix en Safolet. Et au saut de passer sur route là, au Kababoué qui travaille, que nous fait sous tronçon, Port de Paix et Kafoujof là. C'est 3 grands axes qui sont prioritaires pour nous. Si nous commençons là-dedans. Bien entendu, du côté de Jean Rabel, c'est des actions ponctuelles que nous faisons déjà, mais nous pouvons entrer là-dedans d'emblée. Mais nous sommes capables de dire, Gonaïve, Port de Paix, nous commençons là-dedans. Et comme au Soutouéli, il y a des déviations, on a fait remblai, on a fait revêtement, et pour avancer, griffer Port de Paix. Parce que vous ça, c'est fait partie du Nord-Ouest. Pour le Nord-Ouest, depuis 7 décembre, donc dans la période fête immaculée, le président est venu avec l'eau matérielle pour le département Nord-Ouest. Et nous-mêmes, dans la direction départementale agricole, là, nous recevons 2 tracteurs déjà. Donc après ça, donc matériel pour faire activité, que ce soit dans la rivière ou dans la route. Et il y a une cellule caravane qui est CASDA, cellule d'appui au développement stratégique de l'agriculture, qui est déjà chité ensemble avec nous. Donc j'ai fait dans tout le pays. Et que je suis avec autorité, autorité locale, que ce soit CASEC, la mairie, donc société civile, et puis directeur départemental, avec délégation, vice-délégation. Nous te chita pour nous définir ensemble de points, et laisser nous préparer un plan d'action. Et nous-mêmes, au niveau direction départementale, là, nous avons un plan d'action que nous préparons de conseil avec l'équipe, nous, avec autorité, donc sur le terrain. Et nous déjà remettre le plan ça dans le bureau central, dans la direction générale, qui te remettre avec cellule, cap gérer caravane. Dans le plan d'action pour caravane, nous avons un nord-ouest, nous avons un pile problème dans le niveau route. Gagner route agricole, non seulement les routes principales donc qui sous responsabilité travaux publics, routes secondaires, mais gagner les routes agricoles qui sous responsabilité ministère de l'agriculture, gagner production végétale avec toutes composantes, l'aide de production végétale gagner périmètre irrigué parce que dans nord-ouest nous gagnons pile périmètre irrigué dans basse vallée trois rivières sorti bassin bleu passé Champsol, rivé Port de Paix, nous gagnons 24 systèmes d'irrigation, gagnons 20 qui partent pompage. Ça veut dire qu'ils prennent de l'eau dans Belge, sur la rivière. Donc, tout système ça a eu, gain cap marché, gain qui en panne. Donc, tout système ça a eu réhabilité normalement. Donc, nous te prévoir pour nous réhabiliter environ 1500 hectares, donc autour de périmètre irrigué, que ce soit dans le nord-ouest, dans le bas nord-ouest tout, parce que nous gain au niveau de Jean Rabel, nous gain plusieurs périmètres irrigués, nous gain environ 9 qui fonctionnent qui officiel, et au niveau de Moul Saint-Nicolas, nous gain 7, et sous B2N tout, nous gain 3. Donc, nous parlons de 1500 hectares pour périmètre irrigué et environ 4000 hectares de terre pour l'autre zone, donc dans plein lieu pour nous mobiliser de l'eau napla tout pour nous comment t'as développer et agriculture. Gagner tout et production et santé animale, donc gagner point ça là dans tout. Donc nous prévoir dans le département plusieurs endroits pour nous gagner de stations de monte, pour nous gagner de fermes d'élevage, non nous pas trop rentrer dans la logique pour nous distribuer cabrit dans mon yo. Donc nous voulons changer le système là, nous voulons améliorer le système d'élevage là. Et puis santé animale, dans toute zone, dans toute section communale, dans tout point, il faut que nous ayons accès
avec médicaments pour bétio et gagner tout pêche et aquaculture parce que nous gagnons environ 173 km côte dans le département nord-ouest. Si nous prend nous sortir dans zone en Safoleur, nous prend river sous frontière sous zone Atibonite, donc river sous Bédouen, et nous gagnons l'île de la Tortue. Donc toute zone ça c'est zone de pêche et nous gagnons et nous mandé de bateaux de pêche, ouais, nous mandé de chambres froides, tout ça, et nous t'ai même mandé pour nous gagner au moins une école technique de pêche. Voilà, nous s'attendons à réaction magistrat adjoint bord de PA qui même se parlait sur passage caravane changement côté d'expliquer un bon problème qui ville ça gain côté d'espérer pendant passage caravane changement tout problème ça va résoudre dans commune. Nous parlait tout avec directeur départemental travaux publics là, les mêmes qui parlait nous des matériels qui ont déjà recevoir mise en place qui déjà fait pour permettre de commencer tout bon avec caravane changement en façon pour nous dans zone ça yo bon dans région capable aller en souffle. Nous parlait tout avec directeur départemental agricole nord-ouest là, bon, les mêmes tours qui parlent nous de un plan d'action déjà gain en place pour permettre aux capables d'accompagner aussi des agriculteurs, cultivateurs qui gagnent dans la région, qui donc c'est tout le monde qui dit au prêt, il espère pendant passage caravane changement gagnent série des solutions qui a capable porter pour région ça. C'est dans ce sens ça, il félicite chef état haïtien qui était venu avec l'idée ça pour mettre caravane changement sous pied. C'était Richard Sonjoudan depuis Port de Paix pour TNH. Li bon pour connaître ça autorité locale a réglé, li bon pour connaître tout ça autorité locale a pensé de caravane changement, li bon pour connaître tout qui sa réalité zone yoyé à travers autorité locale yo pour dire nous exactement qui ça et qui t'a dû fait, qui ça mérité fait et comment t'a dû fait parce que au final c'est eux-mêmes qui mieux placé pour apporter revendication population zone yo. C'est yo qui dommage, c'est yo qu'on ouvre gens et c'est pas pour ça raison Richardson Jourdan ak même c'est Jean-Baptiste t'ai rencontré là sous garder ak yo qui ça quoi qui mérite fait ça fait yo est-ce que ta l'état de gagner et ben de modification de changement pour que aller plus bien et c'est autant de points nous souhaitons yo souligner dans micro télévision nationale d'Haïti n'a toujours été en ouest c'est vrai faut pas la autorité mais c'est important pour nous entendre sa population en passé pour nous connaître la population parce que au final c'est eux même qui pral et profiter au maximum de projets qu'a fait yo. Est-ce que vous satisfait déjà par rapport à ça autant de cap fait? Est-ce que vous croyez que vous avez dit que vous avez fait qui pas à l'ordre du jour? Et qui en réalité pas ou yé? Qui ça vous croyez que vous avez fait pour que vous avez une différence qui fait dans la zone, yo, dans la vie? Yo? Et puisque l'éclair, tout projet, vous avez mené dans l'amélioration des conditions de la vie. Moun, yo. N'est-ce pas? Et nous n'étions pas là que vous avez dit qui ça vous croyez, qui ça vous pensez. Vous avez dit que Richardson Jourdan, même si Jean-Baptiste en assure ça. La télévision nationale d'Haïti décrète la permanence pour être capable de connaître ce qui s'est passé dans quatre caravanes de changement. Là, nous sommes toujours dans la ville de paix. C'est comme ça, nous avons répondu à la population. Ils ont même qui parlent dit nous attendons qui ça a souhaité que fait pendant le passage caravane changement puisque c'est eux qui vivent dans la communauté, c'est eux qui connaissent le problème qui gagne dans la ville là, c'est ça que fait nous là, nous allons parler avec eux. Ils ont même qui parlent dit nous ça a attendu, qui ça a espéré. Nous invitons à suivre. Ça pour d'avoir qu'on y est là, nous gagnons villa qui mérite drainer parce que où est rentré en ville dans qui est allié. Nous pas faire propagande pour président si belle là-bas bon nous dit bon non. Non, n'a pas gardé ça bon pour nous dire bravo Jovenel. Ça pas bon, nous pas dit ah bah Jovenel, n'a pas dit Jovenel mes côtés pas bon pour le moyen là. Comment ça nous là mais nous pas de propagande faire. Et si nous pas quelque chose Jovenel là là. Nous chire pas qu'on n'est gabine vent pour nous non. Jovenel petite lacaille. Gardez rentrer ville là. Et grand problème nous gagne, grand problème nous gagne. Jovenel, m'pas dit pas occuper nous non, dit bonheur toujours.
Mais il faut que le président leve pied. Parce que les gens commencent à critiquer le bord de mer. Nous ne pouvons pas critiquer le président. Parce que c'est un minou lié. C'est petit placard lié. Pays à malade. C'est nous-mêmes qui pouvons mettre ensemble pour traiter le pays. Ça. Vous comprenez ça, nous là? Nous comprenons la situation. L'opposition a fait tout le bagage et puis bloqué, monsieur. Mais ce n'est pas ça que nous cherchons. Nous cherchons entente. Nous cherchons entente. Nous cherchons solution pour le pays. Ça. Nous demandons tout le pays n'a pas pour personne. Ni opposition, ni monde qui est en opposition. En nous font seul pour nous sauver le pays. Ça. Parce que là, imaginons, ça, à chaque fois qu'il y a fait, l'opposition vient pour bloquer. Et l'autre parti a pas le pouvoir. N'est-ce pas une opposition? Il n'y a pas bloquer le pays encore. Mais nous, imaginons, regardez là Santo Domingo, qui progrès l'a fait. Et puis nous-mêmes, nous sommes comme crabe. Nous sommes crabe. Nous ne pas supposer dans cette situation. Ça. Nous avons un pays pour nous sauver, en sauver le pays. On met ensemble, on font seul pour nous sauver le pays. C'est seulement ça, moi-même, je dis nous. TNH, merci, merci. Nous t'a souhaité que nous fassions travail ça. Marcher dans tout le pays. Pas pour des seulement des problèmes. Alors, nous allons faire ça. Nous allons demander comment nous allons vivre. Alors, nous t'a souhaité que pour nous, chaque mois, pour nous faire réviser, passer dans tout le pays pour nous montrer le président. Monsieur, mais ça, oui. Pour nous montrer, monsieur, quelle situation on a vu. Merci, monsieur. Bon, problème nous gagne. Bon, étant que notre ville là, bon, c'est la fête, la levée. Premier problème nous gagne, c'est le problème de drainage qui n'est pas fait. Nous n'avons pas de drainage. C'est-à-dire, qu'importe si la pluie, nous inondons. Et puis, l'aide de l'eau vient, nous avons pile fatra. Fatra, lui, même, c'est dans pile temps. Pour lever, c'est-à-dire, dans la ville là, bon, on a souffert un peu le bagage. Et ce qui soit souhaité que fait là? Bon, ça m'a souhaité que fait comme jusqu'ici pouvoir, c'est pouvoir nord-ouest lié, parce que ça fait me dire ça, président, nous c'est là qu'il nous sorti. Et moi, c'est que nous avons fait voyager sous ville là, parce que ville là, on a un peu le problème. Nous pouvons même le président venir, tout ça qu'a fait, mais normalement, je m'a souhaité que nous prenions ça en charge, puis regarder si nous avons fait port de paix. On port de paix tant que longtemps. Bon, ça nous souhaitons faire pour port de paix. Et problème, nous infrastructure pas bon pour nous. Normalement, nous n'avons pas de route. Nous gardons gardons au point, gardons fatra là-dedans. Mais par exemple, nous-mêmes, c'est trafic moto, nous faisons Jean-Abel à bord de tous côtés. Mais nous gardons sur un département plus maltraité. Nous n'avons pas de route. Nous n'avons aucun en tête qui a pensé pour nous. Mais comment nous t'es senti, là, on vote, au monde, c'est pour jouer une autre bail qui est bon. Mais là, nous votons, c'est pour pocher, le régler, pas régler rien pour nous. C'est peut-être ça aujourd'hui, on a demandé député Jean-Abel, député Port de Paix, sénateur. On a demandé tout le monde, si vous avez une honte, pour collaborer, pour avoir une adresse, pour avoir une Jovenel, pour avoir comme café en bas pour une adresse. Bon, en fait, ce n'est pas non seulement pour route Port de Paix et de Jean-Abel, non. Là, on prend route Bombade pour aller au Saint-Nicolas. Route ça est impraticable même, net. Mais on a regardé route ça. Si le gouvernement est favorisé sur lui, parce que nous-mêmes, nous avons gardé au niveau des élections, nous tous nous avons choisi pour nous voter en masse, pour nous voter le président par nous, qui est Jovenel Moïse. Même penser que nous avons l'autre bagarre en plus par rapport avec Woutio. Parce que nous, zone ici, c'est ça qui est plus important pour nous. Pour aller de Jean-Abel, Marouche, Bombard, BDN, aller et en Souge. Route ça aussi, il y a un pratique abdou. Problème route là, mon ami. Même pas problème route là. Parce que nous avons une route, et puis après ça, tout le monde est possible pour nous. Vous avez tant de routes à faire quelques routes pour permettre. Jean-Rabel avec Port de Paix. Ma route bombarde. Aïe, route ça, il y a un côté dans la zone bombarde qui est de Kabouet. Route ça, pas bon en pile. Même, on y voit choisir, il y a un moto à Port. Route ça, pas bon même dit tout. BDN, route ça, nous avons fait. Nous allons pour propter, faire la propter. Et puis, vieux bail bloquant dans le Zao, dans le bois, dans le propre, nous avons changé dans la ville. La ville là, whatever, sénateur, magistrat, président, ingénieur, capitaine de là, pour ville là, bon, tout caille, tant que je suis capable de dire qu'il y a deux étages, tout en bas, il y a servi comme sol. Pour ville là, bon, Jean d'Aldo Bibon, il est supposé mettre ville là à la hauteur. Non, hauteur. Que n'importe l'eau
la pluie tombe qui sorti dans Monio, qu'on a un bel canal, qu'on a une ville là-bas améliorée. Mais tout autant que c'est y a fait ville là, y a quitté une route ça c'est lavé mais suya selon moi-même. Qui problème nous gagne dans ville là même? Ah, nous chargeons plus le problème. Nous pas charger téléphone, nous pas rien courant pour nous garder rien. Bon c'est problème nous chargeons plus le problème. Vous souhaitez prendre un passage caravane pour le problème d'électricité dans la zone? Oui, c'est ça Napton. Mais en soi, vous êtes content de ce que la caravane arrive là? Oui, bon, si tu arrives qu'on y a même pas de parler à même. Nous racontons qui ça nous a dit, bon Dieu. Nous ne parlons pas d'autres citoyens, et même tous ces gens pour des pères. C'est ce qu'on ne va pas ajouter. Bon, pour moi-même, je suis quoi? Je dis depuis manger à Paris, manger à cul, c'est mon gens qui mange avant. Je pense que quoi que des caravanes c'était bon ici d'ab commencer. Bon, vous arrivez jusqu'où il y a nous rien. Nous sommes prendre de l'appui là, ville là inondé tête fouette plate net. Nous t'arrêter quoi que bagaille là t'a été débloqué, nous pas rien. Mais nous n'a pas été tant toujours passé et comme grand monde toujours dit, gardez pas trop n'a attendre mais nous t'a remé plus vite que possible pour nous joindre ça nous doit joindre dans la ville là parce que nous n'avons pas de lumière, le moteur nous appelait dans panne de temps en temps, nous n'avons rien, absolument rien, nous n'avons rien. Comme Jovenel Semoun ici, Sénègue ici, nous avons quoi que, et il n'a pas oublié ici, nous n'avons rien quand même. Bon, ça m'a ajouté là, comme nous avons parlé de situation du département, et moi j'ai quoi le gouvernement qu'on aime tout parce que je me fait beaucoup d'expérience par rapport ici avant de devenir président et président Jovenel. La pluie n'est pas bon pour nous. Le soleil n'est pas bon pour nous. On regarde la ville là, pendant qu'on a le soleil là, mais nous-mêmes, on a pour mal pour respirer par rapport à la poussière qui gagne. Mon système de drainage là, je souhaite que le moment où il y a un changement à venir, il y a un voyage sur lui. Et puis, l'électricité d'Haïti, tout, je souhaite que restaurer lui en façon pour la population plus de services. Problème Fatra avec l'eau sale qui envahit la ville là. Problème électricité, problème d'eau potable, problème route, c'est ensemble revendication ça. Habitants qui vivent dans la commune pour des paix, gagnent. Ils espèrent, pendant le passage caravane changement, problème ça a résolu. Ils encouragent le chef d'État et puis féliciter dès qu'il était venu avec l'idée ça, pour mettre caravane changement ça sous pied. C'était Richardson Jourdan depuis la commune pour des paix pour la télévision nationale d'Haïti. Trop facile, hein, dans le nord-ouest pays, hein, ta loi pas si belle que ça, hein, ta loi assez sombre, comme nous décrit, surtout le monde qui vit dans la ville pour de paix, et là, il y a une pile attente pour caravane. Nous souhaitons l'équipe en coordination caravane pour le nord-ouest après l'autre, et après le fait ça, capable pour adresser quelques problèmes sérieux, au moins les caravanes quitté le département, et capable de différence qui fait, capable de gagner des solutions qui peuvent tenant compte de revendications population. On a quitté le département nord-ouest. Non, on a toujours été dans le nord-ouest. On va aller à Saint-Louis du Nord. Merci un peu, Jasmine. On va aller à Saint-Louis du Nord pour nous regarder qui sa réalité. Eh bien, commune ça y est. J'en ai dit dans le commencement. Et son département qui était quand même très négligé. Et son département qui a pile gros défis, surtout dans la question infrastructure. Et il y a un travail qui commence sous le tronçon Carrefour Jean-François Folon, il y a des gens pas de père qui parlent, et les gens Jean-Rabel ont une réalité pas, les gens Bombadil ont une réalité pas, les gens Marouge ont une réalité pas. C'est vrai que il y a un pilote de GFOC fait dans le niveau Mol Saint-Nicolas, mais dans l'ensemble, le département méritait vraiment, ils ont grande attention, et les gens pas de père, les gens doivent s'attendre en pile, surtout leur songer, et le président républicain a gagné lié à un département comme ça. Salut du Nord, Richardson Jourdan, même si Jean-Baptiste est arrivé, on a regardé. Plusieurs situations y est, qui ça attend y est, qui ça a besoin y est. Pendant le passage caravane, qui ça moun yo kwè qui pi urgent, qui t'a mérité garder. Parce que quand même, il faut être d'accord sur le pays côté tout bagaille presque prioritaire, mais nous ne pouvons pas arriver tout bagaille en seul coup. Nous ne pouvons pas arriver à adresser tout bagaille pendant 5 ans dans le mandat. Et surtout, là, nous connaissons les ressources nous yo, par en pile. Là, maintenant, il est intéressant pour que nous fassions des choix. Et je dis à mon Saint-Louis du Nord pour dire nous, si il y a des choix qui doivent être faits pour une commune comme Saint-Louis du Nord, qui ça doit être
pour caravane qui dans département d'Ouest là pour commune Saint-Louis du Nord qui ça au quoi ta mérité faite pour arriver faire une différence dans la vie communauté ça en attendant des réponses avec Richardson Jourdan et puis Pems Jean-Baptiste. Nous dans la commune Saint-Louis du Nord, toujours dans le département nord-ouest pays, c'est toujours la même idée, à parler à la population, soit attendre dans le cadre de passage caravane changement. Nous présents là, nous allons parler à eux qui prennent nos impressions de caravane changement. Nous invitons à suivre. La caravane est déjà lancée dans le département nord-ouest pays. Au niveau nous-mêmes dans la mairie Saint-Louis du Nord, c'est qui s'en attend, s'en espérer. Bon, caravane pourquoi réellement arrivé dans le nord-ouest. Il y a quelques équipements qui arrivent déjà. Mais pour Saint-Louis, il y a un pile dossier. Bon, ça, mon nord-ouest en général, c'est tronçon route Gonaïve en Safoleur. Et tout le monde Saint-Louis même a souhaité que nord-ouest désenclavé caravane et fait que nord-ouest ouvre sur le nord par en Safoleur et au Boin. Ça c'est une, mais pour Saint-Louis, n'a parlé de route, n'a parlé de voie de pénétration pour que et Saint-Louis, c'est pas Saint-Louis seulement, c'est Saint-Louis avec ses 6 sections communales que gain voie de pénétration qui sorti Saint-Louis qui entre dans section yo parce que le ça le moun yo fait jardin, yo produit yo grand côté puis yo vend yo. Et voie de pénétration ça encore c'est plus parce que ou dans Saint-Louis c'est Grenier nord-ouest. Saint-Louis en Safoleur, c'est Grenier Nord-Ouest. Nous avons des travaux qui ne sont pas finis, des travaux qui ne sont pas finis, nous avons un pont sous la rivière qui ne sont pas finis. Et nous avons plusieurs, mais un gros dossier qui était, c'est un dossier électricité. Et parce que tout axe changement et développement plutôt basé sur plusieurs, sur 3 bagages plutôt. Il faut une route, il faut une électricité, il faut de l'eau. Et je me supposais que nous-mêmes qui venons de Saint-Louis là, on saute passer par un casse-tête chinois pour saute pas de paix pour entrer Saint-Louis. Pas vrai? Bien que y ait un petit travail à faire sous lui, mais nous t'as souhaité un travail définitif qui fait l'heure où on monte ou à venir Saint-Louis. Et c'est tout ça, mais c'est un pays qui a tout bagaille pour faire là-dedans. Électricité, le président promet près de 20 MW. Et gagnons, il est venu déjà, gagnons. Un groupe électrogène de 1,6 MW qui est à Bono, à quelques 6 ou 7 km de côté nouillé. Mais c'est un côté qu'ils prévoient pour servir avec éolienne, vent, pour servir avec soleil, et pour faire un travail ça, Napton. Napton, par contre, si c'est le cas, si Caravane a porté tout, parce que ça plan ça a été en vent, Caravane depuis l'année dernière, il a travaillé sous lui. Mais c'est des bagailles que nous avons tant que c'est ce qui a besoin de la pluie. On parle des mêmes sacs à fait dans les Iwa. Oui, c'est ça. Et si je ne me trompe pas, il y a un technicien qui a travaillé les Iwa, qui a fini les Iwa pour arriver ici. Parce que il y a tout un réseau à faire. Si tu parles des ports de paix, il y a tout un réseau pour refaire. C'est un pile causé qui gagne pour le département de l'Ouest. Nous sommes obligés de parler avec toute certitude. Pour nous dire, étant haïtien, pour nous défendre la nation entière. Et cela revient à dire pour nous, dans le département, j'en connais qu'à comprendre la caravane par rapport à l'autre côté. Nous avons vraiment senti que l'atterrissage là, comme un atterrissage qui est vraiment à terre. Mais l'essentiel, que comme nous tentons de la parler toujours, mais il ne peut pas arriver en dans du Nord. Parce que nous-mêmes, pour Saint-Louis du Nord, ça nous a espéré comme changement, il ne peut pas atteindre. Deuxièmement, dans le Nord-Ouest, l'autre tronçon route, hein, port de paix Saint-Louis du Nord là, est vraiment terrible. Dans le cadre de ça, nous espérons changement, certes, mais obligé présence sans gouvernement, là. Est-ce que c'est le président qui parle d'une faire, ou du moins que c'est l'État même en soi? Ou bien est-ce que c'est responsable qui t'a dû reprendre en charge, puis t'a ouais nécessaire pour que Nord-Ouest atterrisse avec le président Jovenel? Comme étant donné, président Jovenel, c'est une personne qui sort en dans le département nord-ouest, il connaît souffrance nord-ouest,
qui compte besoin de Nord-Ouest tout, et bien dans quatre ça, nous obligés de forcer le chef d'État à faire un travail qui est plus essentiel. Tel que nous avons pris rivière des Balas qui peut encore finir. C'est comme nous avons atteint que la caravane de changement l'a passé sous quelque chose à tout. Là, nous contrôlons la ville Panoua qui est une ville côtière que l'y est. Donc nous ne pouvons avoir aucun changement qui vraiment fait face. Donc nous ne pouvons pas vraiment, et tant que la mairie pour nous dire que est-ce que la section nous, c'est section qui n'est pas jamais déconcentrée. Parce que si tu as déconcentré, on t'a prouvé que le moyen économique, le facteur économique, il est plus propice à Saint-Louis-Junior. Qui veut me dire dans la commune? Même besoin de courant, parce que est-ce que Saint-Louis c'est pour un pays lié? Tout côté de courant, là pour des pays courant 24 sur 24, les filles, nous-mêmes, nous n'en faisons pas ici. Quand ils viennent en l'air, tout le monde a dormi à cause de courant. Moi, c'est ça que j'ai besoin. Est-ce que Saint-Louis, même si tu voté président Jovenel, c'est parce que pour courant, moi-même. Depuis que vous avez eu un problème courant? Oui, je n'ai pas courant, les filles, je n'ai pas eu travail dans le pays pour mon travail. Nous espérons que le passage caravane est résolu tout problème ça pour nous. Oui, j'ai besoin pour tout problème. Et Saint-Louis, son bon petit pays, depuis que courant, tout le monde est OK dans Saint-Louis. Parce que c'est le courant qui a eu un problème. A pas problème ça qui est le problème qui gagne dans Saint-Louis. Il y a plein de choses qui gagnent toujours, moi-même c'est pour courant avec indication si mon yon nous besoin. Pour moi, ça on besoin payer même nous pas gagne route. Nous pas gagne lumière, nous pas gagne de l'eau. Et puis encore, c'est pas dit à nos quartiers qui c'est pas ça que c'est pas ça que moment. Pour moment même, la forme magasin dans 9 départements, manger baissé. Tout le monde a joué. Mais là le ce bail là, on passe pas du pas joué. OK. Est-ce que me joué? Pas joué. Mais ça que je mais si les magasins de l'État, tout le monde a pris un moyen. Pour les fonds de tête? Pour les fonds de tête, si je dis qu'il y a 20 gouttes, 25 gouttes, je me joue, je tout le monde joue. Mais pourquoi ça? Lorsque c'est pas comme ça, il n'a pas fait sens. Bon, pour Saint-Louis du Nord, nous-mêmes, nous avons un peu de problème à tirer. C'est-à-dire que nous avons un problème d'électricité. C'est-à-dire que le président est venu à la moteur, c'est-à-dire que le moteur a déposé jusqu'à présent, pas grand chose passé, pas grand fil qui est passé, pas grand rien. Jusqu'à présent, nous n'avons pas attiré ça, pas qu'on fait dans le problème d'électricité. Nous avons un problème tout, nous avons un problème de route. Le plus gros problème dans ces routes là et lumière. C'est un plus gros problème, on dirait, avec pour santé, un problème marine de l'eau potable. Ça a dit que ça fait nous 25 ans à 30 ans depuis que tu as illuminé dans la zone. Pas jamais que tu as dans la zone encore. Tout le monde s'est passé par un fan. Ça a dit que bon, nous plus de problème, on dirait, dans la zone. Nous avons aimé pour l'État faire un mot pour nous-mêmes, en parlant du président Jovenel Moïse, parce que nous-mêmes, si nous sommes président, nous sommes corps en pile, nous avons aimé qu'il fasse un bagage pour nous. Pour caravane et changement que comme président lancé dans le département, nous avons souhaité que la route nord-ouest, lui-même, qu'il fait la route nord-ouest, et puis surtout pour deux paix avec Saint-Louis du Nord, et puis encore pour en commencer tout, et puis nous avons souhaité que pour en finir. Là, nous sommes Saint-Louis du Nord, dans le département nord-ouest PIA. Nous avons parlé avec non seulement l'autorité, mais tout le monde de la population hein, pour dire nous qui ça a pris tant de passage caravane dans Saint-Louis du Nord. Vraiment, pile de filles et pile de problèmes qui méritaient à l'issue. Et on nous dit qu'on a voté, c'est pour ça. Hein? Là, on a voté, c'est pour capable après pour l'autorité qui est lieu retourner vers Vignoigno et porter réponse à problème qu'il y a confronté dans la zone. Et là, Mounio a prétendu les questions courant parler, assainissement, les questions de travail, et tout ça, ça doit faire une différence dans la vie si problème ça est adressé pendant le passage caravane. Selon ça, je souhaite préciser dans le micro Richardson Jourdain et Pems Jean-Baptiste. On quitte Grand Noir, on quitte Noah, on a pris la direction sud, où elle est là, et Farah, on a rapidement rendu dans NIP. NIP, c'est département, chef-lieu, c'est Miragouane. Nous te faisons parler avec délégué départemental. Pas oublié, après lancement caravane dans 7 février sur tout le pays, toute direction départementale où recevoir un lot matériel. L'important même qu'on regarde pour qu'on ait qui ça matériel ça va régler, côté où y est, qui travaille à faire, pour qui ça a dans la zone mieux, est-ce qu'on commence à utiliser et qui j'ai utilisation y est. Eh bien, nous avons gardé tout ça avec délégué départemental là, qui était tout gardé avec nous, ensemble, de problèmes département là fait face et qui gère eux-mêmes, il y a de travail pour arriver pendant la caravane dans la zone là,
porter solution appropriée à problème ça. On a suivi précision. C'est un gouvernement qui a travaillé, c'est un président qui a fait promesse et c'est un président qui a transformé, converti promesse ça en action. Il est venu avec ça, il a promis ça et même plus pour permettre que aider nous sortir dans ça nous hier. Nous connaissons un président qui a travaillé pour faire interconnexion communale, départementale, qui pour permettre petits paysans qui n'ont pas reculé, capables de vivre, gens tout le monde d'accord vivre. Et faire petit choix dans n'importe dans plus belle l'école, dans plus grande l'école. Parce que nous connaissons, il y a un monde qui a vécu dans une situation non point reculé. Donc parfois, c'est à même le sol, et si mon yoshita pas même des couvertures côté à l'école. Pour qui ça? Parce que pas de moyens de transportation, pas d'infrastructure routière pour que tout le monde soit capable de déplacer. Mais je dis, avec caravane changement, et nous avons en pile percé grand en fait. Je ne connais pas ce qu'on est Baradère. Il a parlé de Fontortion côté qui n'a pas de gain du tout. Mais je dis, il prend quelques minutes pour que les gens sortent pour descendre dans le centre-ville Baradère. Hier, moi, j'étais Baradère, moi-même personnellement. Moi, regardé le parcours Baradère avec Cavaillon. Donc, il prend moins que une temps pour me sortir Baradère, pour me river dans le centre-ville Cavaillon. Donc, c'est pour me dire que ça, c'est un espoir réel. Ce n'est pas un rêve qui a fait dormir. C'est un monde qui vient travailler, qui vient poser des actions concrètes qui pour sortir la population nipoise et la population dans chaque département. Parce que la caravane, ce n'est pas seulement dans Nip, mais dans tout département. Et nous sommes capables d'essayer. C'est tout le monde qui a loué l'effort gouvernemental, qui a loué l'effort président Jovenel avec tout le gouvernement l'a fait pour permettre que chaque département, chaque direction de départemental travaux publics, yo bénéficier des engins lourds qui pour permettre que non seulement yo utiliser pour nettoyer, pour propter, mais aussi pour yo entrer dans caravane pour faire ça présidente pour mettre peuple là. Il pral connecter yo pour ba yo possibilité pour denrer yo qu'arriver pour petit yo ka sorti à l'école, pour moun ki malade ki habitué porter sous brancard yo, gen moyen de transportation pour yo sorti dans coin ça yo. Parce que nous konn ki valè moun ki mouri, valè jeune fille enceinte, valè petit bébé, on prend qui pas cap joindre frayé passage, là yo sorti dans coin reculé pour y aller joindre soins de santé. Moi même sous route Baradère, m'te transporté moun, c'est sous brancard m'te joindre yo dans campagne président Jovenel. Et moun sorti arrivé mouri parce que yo te fatigué si tellement yo te baille sang si tellement l'aime te prend en machine mais pour m'river bonne fin avec yo malheureusement yo te mouri. Donc jodia nous offrions possibilité, nous offrons toute famille ça une possibilité pour changement yo sentil et pas seulement par parole mais par action. Voilà en ville action qui doit poser le délégué départemental pour permettre les problèmes population adressés, permettre moun yo rale en souffle. Par exemple, pour Cavaillon, Baradère et son Gomoso, mais après Tanni, c'est raison. Donc, on a habitué à aller dans l'hôpital Bonnefin, et on a dit ça n'a pas parlé, et son réalité n'est pas trop facile, et on a obtenu la question et travail qui doit faire dans la rivière, parce qu'en pile fois, et chaque fois la pluie tomber, l'eau envahit, et en pile commune dans le département, ça, en pile action doit poser avec surtout matériel, ça disponible dans le département de NIP. Pour arriver à adresser un pile de problèmes, la population nipoise là a fait face la journée jeudi. N'a pas regardé qui ça a commencé à faire. Michel Joseph, tu as visité Mounsa avant dans Rio, un week-end ça. Et puisque je ne connais le matériel là, il y a un ensemble de problèmes qui existaient dans pile commune, dans le département. Nous avons regardé dans la localité Savanari, qui ça qui problème zone ça. Est-ce que y a un travail qui commence à faire? Si le travail va fait, dans quel niveau y est? Tout ça, plus encore, dans l'image, Michel Joseph est tourné pour nous dans la zone Savanari, week-end ça, téléspectatrices et téléspectateurs.
route, ça, c'est lui-même qui vraiment route nous. Elle utile nous en pile parce que toute bagage sur la terre, mon Dieu. Bon, après, pour nous, là, moi, pour moi, nous mettre pas un an encore, pour moi, avec outil bordel. C'est eux-mêmes qui principal pour nous. Après ça, mon cher, tout le pays a besoin de bagage. Mais pour moi, principe, c'est ça qui est bon pour nous. Pour ça, tu as un problème? En pile. L'eau à l'aile, c'est là, c'est ravagé. Parce que depuis le bout de l'eau là, c'est couché, fait 3, 4 jours, 5 jours. Quand le PC pour aller la caille. Et Kounia, comment vous êtes? Bon, Kounia nous à l'aise. Kounia nous bonnet. Kounia nous pas besoin rien encore. Vous ça qui fait la sortie, qui a fait mon siya, qui a fait là, son favelier pour nous. Parce que l'autre de gen la boue, et la pluie a tombé, il passe en pile misé. Et il n'y a pas de bon tout, son sous-couple était. Mais avec bout qui vient déboucher là, mon cher, ça très important pour nous. Qui ça nous a souhaité? Bon, pour moi même d'a souhaité si tu as posé un petit macadam là pour nous, il t'a fait nos faveurs. Son route qui fait qui respecte normes techniques, vous savez que nous pas font route côté que nous ouvrir 2-3 mètres ou après son route qui dans 8 9 10 mètres. Ça veut dire que suivant Jean président mandé côté que conseil route c'est pas en terre battue priorité. Donc nous même n'a travaillé nos objectifs pour que c'est asphalte que vous allez mettre ou bien côté cap gain béton. Pour y'a gain béton, donc c'est une route qui respecte les normes. Et après là, nous avons un pont qui est environ 5 mètres. Mais après la route là lui-même, c'est lui fait 8 à 10 mètres par endroit. Donc ça veut dire que nous prêts pour tout et ça cap vini. Travail au campé là? Non, au contraire, nous continuons de travailler, mais nous avons travaillé en pile. Mais là, objectif nous, c'est arriver sous côte de fer. Pour ça, servir trois départements. Les services SIDES, NIP, Sud. Est-ce que c'est caravane changement qui en dans département ni plan qui a fait travail ça? Mais si c'est pas caravane changement, côté m'a besoin de moyen pour m'a faire. C'est l'État pour construire, c'est l'État pour faire toute bagaille. Si vous n'avez pas accompagnement l'État, il y a deux bagailles ou pas qu'à faire. Où ça qui compte l'aller? Et où ça, nous commençons depuis Kafou Dano et actuellement nous du côté de Bétol. Bétol, nous allons faire Bétol. Et Boukamouran, Boukamouran, Côte de Fer, Boukamouran, Grigri. Après ça, nous allons tourner, nous allons passer Kavila pour nous descendre Mon Tibode. Mais pour le moment, nous allons retourner avec tracteur, nous allons aller, nous commencer de belles rivières. Nous commençons à bon marché, Kafoulomon, entre belles rivières. De belles rivières, nous allons monter la bouse. De la bouse, nous allons tomber de sous. De sous, nous allons descendre et Mon et Kajil pour nous descendre. Nan kafou toniket de toniket n'ap retourner nous va virer par dessous pour tomber par kafou et rico de rico n'ap tomber kafou mombe de kafou mombe n'ap retourner descend tibode. A qui matériel travaille ça en fait? C'est bulldozer sont des 8 en des 8 nous gon l'autre des 6 encore et puis nous gen grader nous gen chargeur nous gen roulé c'est matériel CNE. Mais si ce n'est pas matériel CNE, bon, qui moun et qui moun qui t'a de faire? L'État est présent, mais à travers ça, tout, on est capable de dire qu'il y a un travail qui a fait dans la communauté. Par exemple, nous avons avant pas de niveau infrastructure, la routier, et pas avant août, pas de accès pour te rentrer à Savanari. Mais quand il y a là, accès à vin plus ou moins. Facile pour sortir Kafou Moussignac ni Aguane pour entrer Savanori. Ça veut dire que nous avons traversé pour aller Côte de Fer, aller Grigri, aller Dessous, et dans notre paroisse en haut, paroisse Saint-Benoît Dessous. Ça veut facilité pour aller dans la zone ça. Comment la situation est-elle par avant? C'est qu'il y a l'État qui commence à avoir une présence dans la communauté. Bien qu'il est présent à travers Kazek, Azek, mais à travers petit travail commence à faire dans la communauté. Nous avons dit bon, l'État qu'on s'est pensé avec zone. Et nous avons ça demandé pour capable pencher vers les gens qui là. Parce que c'est des gens qui ont voté tout dans l'élection, qui ont voté, qui ont compté tout. Alors là, ils ont des droits, ils ont des devoirs tout. Et face avec la constitution pays il y a des bagages qui sont capables pour gagner des redevances envers eux pour la vie de la population.
Nous avons regardé ce qu'a fait ce tronçon Kafou Moussignac Savan Henri. On y a dit qu'il y a un travail qui fait dans ce tronçon ça. Et quoi tout, si nécessaire, vous avez par contre asphalté ou bien bétonné, dépendamment de ça, vous avez rien comme spécificité. Il est intéressant. Mais là, il n'y a pas de possibilité pour être circulé avec le travail qui fait. Il y a une accessibilité, il y a une possibilité pour que la circulation soit faite plus bien. Nous avons des habitants qui fréquentent la route là, nous avons des autorités religieuses dans la zone là, qui même dit nous, qui genre réalité a été avant et comment ça y est aujourd'hui, sous tronçon route et Kafou Moussignac, Savan Henri. Et là, il faut y avancer et il y a un technicien CNE qui dit nous, il y a regardé qui sont capables de continuer selon le feuille de route qui a joint par rapport avec ça qui prévoit dans le cadre de caravane changement. On a toujours été dans NIP. Là, nous parlons de Fondeneg. Fondeneg qui a une réalité pâle, qui a un problème pâle, qui a une difficulté pâle, qui a une attente pâle. Michel Joseph, tu as rencontré mon Fondeneg week-end ça. Il va dire nous qui ça y a tant de présence caravane. Est-ce que le travail tout commence à faire, Michel? Est-ce que gagner et changement commence à porter par rapport à problème? Moun Fondeneg t'a fait face dans le jour passé, c'est quelques questions, images, pour aller nous répondre. Quoi est-ce là? Nous venons pour nous assister et bah, j'arrête à gros travail que le président Jovenel mettait sous pied pour le pays. Donc, bureau député est content pour lui assister et participer dans cette fête-là. Nous-mêmes, en tant que représentants députés Yvon Gess, comment nous travaillons ça au cap fait dans la circonscription noire?
travail ça c'est le travail que nous applaudit, que nous battons bravo pour eux. Déjà nous connaissons et dans l'exécutif là, il y a un peu l'effort qu'a fait pour que le gouvernement mette en place des activités et puis de bagages qui pour arriver jeune peuple là, qui pour arriver sous Mounio et arriver que bah peuple satisfaction dans besoin dans ça gagner comme problème. Donc président Jovenel, donc nous applaudit travail là et puis au député là nous connaissons dans chambre là comment député a accompagné président dans toutes les démarches, tout ça qui vous fait de loi pour voter, projet de loi que le président a envoyé dans la Chambre, député à la Chambre basse, by support, by j'arrête avec ça. Donc, ça veut dire que nous-mêmes, nous courons le travail là et nous disons bon travail. Donc, nous continuons de travailler avec le président Jovenel. Est-ce que le département de Niplan mérite le travail ça le président fait, surtout, j'aime au place là? Oui, nous rappelons que depuis la pause première pierre là, que nous sommes venus, nous sommes accompagnés de députés là. Le président Jovenel était là, il était un bel discours pour mettre le département en pile bagaille dans le thème de rebrasement. Donc, à comprendre que Haïti, je ne veux pas dire, c'est un pays qui a dégradé. Donc, dans la question de rebrasement, donc, sans ça que le président Jovenel mettait sous pied, à, surtout dans la commune Fondeneg. Donc, nous connaissons la commune Fondeneg, c'est une commune qui représente, qui conserver sans d'arrêter les couvertures végétales dans le département Niplan. Donc, le département Niplan, nous connaissons avec les mauvais temps passé, un peu le bagage qui passait, donc fait que nous perdions un peu notre couverture végétale. Nous. Mais nous pensons avec sans ça, donc nous avons retrouvé l'identité nous et notre pays a retrouvé l'identité dans les sacrées couvertures végétales. Tout à fait, un message en plus pour le gouvernement avec caravane de changement qui est en Nip, qui est en bon, message en plus là, c'est qui ça le tapier, c'est à dire caravane à tout le président. Donc, il y a compté sur le député, sur le bureau député Yvon Gess, qui est là pour supporter, pour j'arrête avec ça qu'a fait là. Donc, je vous dis, nous-mêmes, dans le niveau département NIP, dans le niveau Miragouane et dans le bureau député, donc nous comptons, et nous comptons, nous demandons pour tout le monde dans tout le pays, qui est bien, pas la guerre, donc j'arrête en plus à ça qu'a fait là, parce que c'est un bon travail lié pour le pays. Moi-même, dans mes annales, très bientôt je vais avoir 65 ans, c'est pour la première fois que moi, un gouvernement, à travers campagne, les saletés, promettre, ça le dit à vrai, c'est ça qu'a fait. Et que c'est pas petit travail, petit qu'a fait. Nous sommes route, nous sommes curage à fait, nous sommes tout bagaille. Mais moi-même, dans Miragouane, son seul problème que moi gagne, nous avons plus gros nappes dans les Caraïbes là. Qui c'est le temps des Miragouane. M'a demandé président pour le mettre en valeur pour nous, pour mon zone Beke, dans zone avoisinante, qui est capable de jouer moyen pour le travail. Après ça, quel autre bagaille ou elle a fait? Non, si c'est pour l'autre bagaille, c'est tout côté qu'on bagaille qu'a fait. Regardez côté nous là, dans j'aime au place, c'est jamais vu. Ça c'est moteur pays d'Haïti que président lui-même l'a acheté pièce pour le refaire journée aujourd'hui. En pile travail a fait, l'on traverse pour aller savonner, ou jouer des ponts, ou jouer une bonne bagage, c'est pas petit travail qu'a fait. Quelle importance pied bois ça ou gagne? Bon, importance pied bois yo. Si nous gardons journée aujourd'hui, nous pas gagne de l'eau. Mais pied bois ça yo, sont Haïti que cap revivre avec pied bois ça yo. Caravane a gagne importance dans le département Niplan? S'il gagne importance dans le département, ça cap fait là journée aujourd'hui. Son bagage nous pouvons jamais connaître. Il y a une pile importance dans le département. En tant que délégué, sur un message que vous avez envoyé au président, qui est-ce que vous avez? Bon, si mon message que vous avez envoyé au président, je dis président, merci en pile pour tout ça que vous commencez à faire pour nous et pas prendre pression dans le même monde pour le décourager et demander le tout. L'aide qu'il a quitté le pouvoir pour le remettre. Les caravanes, bah ont l'autre président qui a venu, comme ça demain, ils ont l'autre Haïti. Travail, ça a fait là, son travail vraiment extraordinaire que le département de NIP t'attend. Et vraiment, avec le président Jovenel, nous voyons que il y a un pile travail qui a fait. Parce que on connaît normalement, caravane a été lancée et baradère. Et je dis, on est capable de dire, l'on prend route cavaillon pour entrer baradère, quoi me souvler, une belle amélioration. Je dis, on est capable de dire, dans 30 minutes, si je quitte cavaillon, je suis arrivé. Et baradère, c'est déjà un gros applaudissement pour Jovenel Moïse, président Jovenel Moïse, à tout gouvernement et caravane qui sont caravane coup de poing. Et quoi me souvler, grand pile travail. Et nous sommes capables de dire, tout le travail qui commence à percer dans toute section communal qui sous baradère yo et nous capable di gen petit trou y a pas avancé et dernièrement la gon paquet matériel que président livré bay direction départementale travaux publics là en pile travail tant que ouais germo place là et c'est
dispersé un peu partout, comme où sommes là, nous sorti Savanari, nous sorti Diable, nous sorti Dufour, où est travail, où est jardin que nous sommes capables de faire, c'est toujours caravane, non? Puisque y a un tracteur qui pour permettre que travail travaille bien, y a une semence, alors forme de vraiment grand pile travail qu'a fait à travers le département. Son caravane coûte point parce que nous gouvernement m'a en tout côté. Nous te qu'on joue un travail ça déjà? Jamais. Moi-même pour la jouer à nos jours. Moi-même y a une raison de me pas regrette que me t'ai voté président Jovenel, me t'ai supporté programme ni en tout parce que son président gain vision et comme il toujours dit jodi a fort paysan joine et c'est pour you nous dans raison ouais dans caravane là jodi a gain dîner pas k'a bay moun de l'eau tout côté gain électricité que président promet li commencer parce que le doul sorti loin moun loin yo besoin électricité tout gain moun ki gain 60 ans pas jambe électricité dans vie non jodi a cause de caravane là yo wè électricité ça son bon bagaille moi moi bat bravo pour ça. D'après vous-même, où les paysans ont commencé à joindre? Oh oui, les paysans ont commencé à joindre parce qu'ils n'ont pas jamais joindre. Je dis à les paysans qui ont regroupé pour mettre en association, pour avoir tout matériel, tout engin lourd pour travailler. Je ne sais pas si les paysans ont gagné pour acheter ça. Et c'est ça que fait Léo Tap dit, budget criminel là, c'est paysan yo kap jwil jodi a, c'est moi, c'est tout moun kap jwil parce que li pa ton budget criminel vraiment. Jodi an paysan commence jwenn. D'après vous même, j'aime au place là, qui important c'est gen dans département. En pile importance, l'ont bien gardé. Bon côté nous sorti là, m'tap expliquer que Jean Rivière yo t'était en pile de l'eau, mais à cause de déboisement ou vin wè état une série de côté, mais j'ai mon place à quoi me souvlaisse, et comme si c'est pays d'Haïti même que président Jovenel dit faut nous revivre, parce qu'on paye pas de reboisement, pas de pied bois pour permettre ou jouer de l'eau, quoi me souvlaisse pas vivre, parce que moi-même, quand je arrive dans un moment, je dis finalement, j'ai l'air de l'eau nous pour aller porter. Mais président avec Germo Plaça qui pourra permettre gain reboisement tout côté et le temps d'audou même j'ai un élève ou qui prend 20 30 pour mathématiques et bien puis bois autour yo pral dans canot tout oui reboisement pas gain menti dans salle pour entrer dans éducation en tout jodi a comme président te dit a gain l'autre petit pépinier un peu partout côté qui loin que population cap venir chercher dans germoplasio pour permettre que pays a après boiser net et ça c'est un gros bagage. Bon bon exemple café tout le monde connaît côté café et pousser ses côtés comme si qui gagne en pile pied bois ou pour café nous yo fini cacao nous yo fini même penser avec sans germoplasio là et soit regarder ou après gagne café gagne cacao gagne toute plante là. Alors, gen là-bas, pain, gen mango, gen cocoya. Alors, son travail vraiment tête chargée que président Jovenel a fait. Et me dit président Jovenel, kembe là, tête droite, parce que pays ça pendant 50 ans, nous garantit ou pays a pral on souffre, moun ka vive là-dedans a pral on souffre. Et nous ouais ça gen t'en fait pendant un an. C'est bon plaisanterie. Et route. Tout bagarre commence fait. L'homme dit ça, c'est un président qui positif, son gouvernement qui pour mettre tête ensemble là vraiment avec président pour permettre vraiment que pays arrête sous rail là et le mandat fini, j'en le dis pour le passer que les caravanes ba l'autre président qui va venir parce que côté le commence l'autre président qui va venir obligé continuer faire ba yo même genre. Un message pour tout Nipra pour le cap gado là. Moi-même message m'ka voye pour tout ni poise k'ap gade m la. Faut yo konnen matériel que gouvernement acheté remettre à toute direction départementale à travers le pays spécialement dans le département de Nip. Faut yo konnen ces matériels pa yo lié. Même si t'a gon problème au contraire c'est yo pour contrôler pour moun pa crevon caoutchouc. Pour moun pa vol on grain caoutchouc, pour moun pa vol les pièces là dedans parce que c'est pas pour président Jovenel yoyé, c'est pour nous même nan Nip. Et m'a dit au tout aussitôt que Saint-Germain place a inauguré, qu'on y a moun commencé joindre plantule, m'pense son devoir pour toute Nipois Nipoise pour yo prendre soin plantule ça yo tant que son petite en dans la caillou que t'a prend soin. Et mandé toute Nipois Nipoise à faire bouler caoutchouc soit asphalte. Faut suspendre ça
route là pas pour personne moun li pour pays d'Haïti li pour nous et pour lui même nous même ni poisio alors ça me t'a souhaité que son gros lobby pour président t'a fait à ça pour moun yo suspend boulé caoutchouc sur asphalte parce que l'argent nous pas joigné à terre moun a prédit pour payer taxes. Faut moun comprendre ça. Alors c'est tout ça que m'a dit yo et puis m'a demandé moun nan nip supporter gouvernement Moïse Lafontaine parce que la font bon travail. Nous vraiment enchanté parce que nous gagnons notre opportunité ça pour n'ab vivre ça gouvernement ça et en particulier et le président Jovenel Moïse ça t'a dit nan campagne li et que jodi a la pas appliqué yo. Et ça fait nous grand plaisir dans OCB qui c'est organisation communautaire de base dans niveau département spécialement pour Solanip pour nous courir initiative ça depuis dans lancement et caravane qui t'a fait dans grand sud organisation ça était déjà à camper dans porte d'entrée de département qui dans pont Berquin deux bords avec pancarte avec fleurs t'a accueilli caravane donc jusqu'à présent nous étions soudés avec de telles initiatives parce que nous est président était dans plein et promesse yo que l'a pas accompli donc nous même tout pas à pas n'a suivre point par point toute activité qu'a fait dans cadre caravane en tant que représentant organisation Solanip est-ce qu'a énumérer pour nous quelques travail caravane gétant mettre sous pied bon déjà nous connaît dans niveau Savanari avec un fameux jeune garçon qui c'est Guy Polinis qui là comme un facilitateur cap aider structure qui en place comme un agent de développement un agent de terrain cap faire le lien et que en pile route gantan coupé pour sortir de Monsignac pour arriver et avec et l'état nous arriver gagner un pont depuis pays a existé Haïti a existé donc pour mon yo traverser de m'ta dit Savanari pour venir pour aller des sous ou bien pour venir Miragouane aller gon tête ferme aller gon fika pas coucher pour arriver bord de l'eau si ou pas ka traverser sous branca et cetera donc il obligé retourner mais jodi a la pas gen casse-tête ça encore donc c'est stat machine nous après l'en saute là nous connaît déjà nous pas le savant Henri et ceci nous mettre pas des sous de la pite mettre tomber de l'eau te mettre descendre n'a traverser c'est déjà quelque chose pas gen assez longtemps que nous font pose premier pierre et deux l'heure fait pose premier pierre là on garder ça qu'a fait là moi même nous gantan et non laps de temps nous garder environ près de 300 000 plantules gantan là et mes constructions a fait pour Saint-Germain place là mon tout dit que président à l'oral mais ça yo c'est de preuves tangibles nous connaît que et récemment le caravane bien que il était lancé au niveau de Baradé cap contourner rivière là cap bail problème non donc nous voit que effectivement gagné un lot matériel que nous recevoir et dans le département c'est déjà quelque chose ça on pas qu'on voit yo. Donc c'est déjà pour nous dans une année est-ce qu'on comprend de temps ça te prend pour te voter budget pour te entrer en exécution pour arriver jodi à là dans un an nous faire deux bagages que monde qui gagne 5 ans pas de faire. Je pense que c'est important une félicité président Jovenel et n'a lancé un message à toute Anacopolis détracteur yo cap changer l'idée peuple ça qui t'a accepté nom banana pour faire connait que jodi à et président pas fan envie détonner yo donc nous mandé yo suspendre boule marché suspendre faire manifestation porter coller président ouvert de bras vinn travailler ensemble avec lui nous féliciter travail qu'a fait actuellement sur route belle rivière nous gagne deux rivières nous tout lancer message ça que nous ta aimé que gagne deux ponts qui jetés sur rivière ça pour faciliter et son prendre communication. Nous avons idée de commencer à y aller dans le fond des nègres et en pilote côté dans le département Niplan avec le dernier intervenant qui représentait Solanip qui partage avec nous qui travaille car un changement déjà exécuté dans le département Niplan. Pour fond des nègres, sans dire mon place là, et nous avons monsieur et dame technicien qui a avancé à travailler et très certainement dans le jour qui a venu là, on a bien pour nous nous informations sur qui le. C'est ça, lui-même l'a inauguré, pas oublié, grand pile l'autre département dans le pays a déjà gagné, et ça ne parle grand pile l'autre tout qui prend le gagné, puisque dans l'année académique arrivée là, le président républicain n'a pas suspendu, souligné, reboisement, prend la matière obligatoire, il a Timounio, prend le capable de participer
nan et planter pi bois et c'est pral déjà contribution pa yo nan construction l'autre Haïti, yon Haïti vet, yon Haïti côté il fait bon pour moun vivre, yon Haïti qui augmenter couverture végétale dit. Et tenant compte de ça, nous autant des précisions yon nan habitant nan fond d'Anneyo qui parlait de nécessité pour que moun yo approprié de ça qu'a fait là. Et c'est ça la réalité et reboisement pour ti moun yo, c'est déjà faire approprié de travail qu'a fait dans pays yo, faire reprendre goût dans la caille pour que la caille cabaille puisque la caille était qu'on baille. Alors tout ça qu'a fait dans département, tout ça qu'a fait dans commune yo, il a lié de bon ton pour que population approprié le lit, population baille disons, population fait remarque qu'il faut pour que si il y a correction pour porter, pour correction pour porter, si il y a des bagages qui pour changer, pour changer, si il y a des bagages tout mérité fait pour que yo finalement fait, parce que au final et nous gain intérêt pour que nous changer ça là comme réalité, nous gain intérêt pour que gain de l'autre choix qui fait, nous gain intérêt pour que nous pas rater et nous suspendre perdre du temps, nous pas rater train yo, parce que là c'est pays qui a perdu le nous rater train yo, les que des mauvais choix fait, les que ça doit faire tu pas fait gens pour faire. Et c'est peut-être ça TNH traîner micro traîner caméra chaque semaine pendant caravane, nous servir avec comme un véritable prétexte pour nous rentrer dans la communauté pour nous connaître qui en réalité y est, qui ça y a besoin, qui ça au quoi mérite adresser par rapport aux problèmes qui a fait face chaque jour qui joue, et pour que l'autorité eux même y attendent et y fait bon choix yo, et laisse la population n'est pas capable de râler en souffle par rapport à la situation difficile qu'on connaît chaque jour qui joue. N'a toujours été dans NIP, on a regardé avec responsable TPTC dans le département puisque matériel yo sur place. Qui ça qui gagne en perspective, ensemble de projets commencé au qui côté au yé, ça pour qu'on démarre au qui a démarré et qui ça moun nan nip capable d'attendre deux passages caravane nan, surtout dans la question infrastructure routière pour département Paywa. On assure ça. Dans le cadre de la caravane de changement que le président Jovenel Moïse a prôné, depuis le mois de juillet, nous avons entamé des travaux surtout sur le tronçon de route Cavaillon-Baradère. Nous sommes d'accord, ça c'est route qui relie les deux départements, le sud et les NIP.
Parce que Bader, c'est dans le NIP, et puis Cavaillon, c'est dans le sud. Mais nous, pas de gagner quantité matérielle que nous gagnons dernièrement, que nous recevons, parce que c'est, ça fait environ 2 semaines que nous recevons un lot d'équipement. Nous avons continué à avancer avec travaux, avec ça que nous gagnons. Nous avons regardé sur la courant là, matériel qui fait qu'arriver, nous même nous pouvons déployer. Parce que nous gagnons des opérateurs, des techniciens que le ministère, au niveau central, gagnent pour déployer, que ce soit un département ou bien un autre département, que pour nous capables de continuer avec travaux, avancer avec travaux. Mais pour le présent moment, comme nous avons dit, c'est sous tronçon Bader là que nous y sommes. Nous gagnons Bader vers Cavaillon et le président lui-même lui voulait que nous avancions un peu vite. Parce que lui-même lui voulait que dans chaque département que nous arrivions faire, près de 400 km pendant 4 mois d'acquérité là, environ en moyenne 100 km par année, c'est-à-dire que nous gagnons un pile travail qu'après tant nous là. Et puis bon, nous ne parlons pas les mêmes de l'évaluation qui gagne chaque 3 mois sur 25 km que nous supposons. Qui importance travail ça va gagner dans le département du plan? Non, que ce soit dans les NIP ou bien dans d'autres départements, c'est à l'échelle du pays quand même. Parce que ça qu'a fait là, c'est on est d'accord que dans tout département, parce que moi je préfère que non seulement parler de NIP, mais nous gagnons un pays de toute façon. C'est un pays qui est très tout l'obgade que tout ça que nous produisons en termes de. Et bah, il question dans l'agriculture, bah, c'est en grande partie tout le bagage, ça a toujours été gaspillé et dans mes paysans. Yo. Parce que pas de route qui pour mener les gens vers les communes, vers les départements, vers les chefs-lieux, vers tout le côté, je ne connais pas. Bon, il y a des produits qui sont même supposés et qui même voyé à l'étranger, il y aurait été pourri, il y a gaspillé dans mes paysans qui ont produit. C'est-à-dire que ça permet que nous gagnions moyens pour nous transporter. C'est une décentralisation. Puis, total, si vous voulez, que ça capable permettre gros mouvement ça qui est engagé dans le niveau et infrastructure routière là. C'est un projet global parce que il y a travail de l'agriculture, il y a travail dans l'élevage pour faire production et puis nous-mêmes nous gagnons responsabilité que pour nous construire routière, pour nous faire percer routière, pour permettre que et nous transporter ça que y a produit ou bien que ce soit et produits agricoles ou bien élevage pour nous être capables de transporter dans les villes, les marchés et les centres-villes partout disons. Même le gouvernement, nous partons sur son bon chemin pour capable développer le pays. Définitivement, je crois que après 4 ans de mandat et que le président Jovenel Retéan, on a regardé après 4 ans, ça va pouvoir définitivement sur l'autre pays que nous gagnons. Parce que si on a regardé dans ce que nous-mêmes, qui est travail public, nous gagnons pour nous faire, on a déjà rendu compte que qui différence. Parce que globalement, quand il y a président, je vous l'ai dit la dernière fois, après 4 ans, en raison de 400 km de route par département, ça fait 4000 km de route. Mais l'été, ben, on donnait que nous ne peut-être pas tenu compte, c'est que aujourd'hui, là, nous avons 1000 km de route qui est asphaltée dans le pays. Ça. Vous savez, c'est-à-dire que, regardez, qu'on y a, nous n'avons pas 1000, et puis après 4 ans, nous avons 4000. C'est-à-dire que ça que nous avons plus que 4 fois. C'est-à-dire que, et ça que nous avons prêté pour nous faire, même si nous avons arrêté en pile pour nous faire toujours, mais déjà, c'est une grande différence. Parce que juste garder ça que nous gagnons là et puis nous gagnons 4 fois là, qui fait sur 4 ans un mandat président Jovenel là. C'est-à-dire que nous, même si avec Wapoué le fait ça, Wapoué changement, parce que l'invisible n'est pas le pape. Voilà, là nous sommes dans NIP, dans Chalon, et particulièrement côté base public transport communication. Et c'est là tout, nous sommes le président de la République, Jovenel Moïse, te remettre le matériel là-bas, direction départementale TPTC NIP. Là, avec le directeur, nous souhaitons passer en revue matériel que nous recevons. Nous souhaitons garder tout ce qui s'est fait avec le matériel. Ensemble, le travail qu'il y a à l'infrastructure dans le département, ça, qui j'en sais, est-ce qu'il y a démarré ou pas, qui le, ça pour démarrer ou à payer,
Et c'est entre autres points que tu as abordé avec le responsable travaux publics, transport et communication dans le département Nipla. Parce que vous faites des jeunes sur l'Italia, gagner une question pour interconnecter l'ensemble de communes dans le département. Ça, c'est son élément assez important. Et le travail qui doit être fait sur route Baradère. Et Baradère, c'est une zone dans le département ça qui fait problème. Chaque fois qu'on apprend à ou ça, il a été fait mal. Et ton son cavaillon Baradère là, mérite garder, mérite adresser. Déjà, nous songer, nous t'es visité et le travail a été lancé. Nous avons très certainement pour nous retourner, pour nous regarder comment ça est aujourd'hui, est-ce que vous avancez ou pas, qui j'ai fort qui fait. Il y a un travail tout à fait sur rivière là, toujours dans la même zone ça, et puisque chaque fois la pluie tombe, rivière envahit toute ville là. Il y a un travail, équipe Centre National Équipement et TPTC de manière générale, t'as fait pour que rivière route libre, pour empêcher le gagnant et catastrophe, il y a un gros appui, on dit comme ça. Ou moun yo inondé, moun yo perdu les affaires yo. Là encore, son élément qui mérite adressé. Et sans compter, travail qui commence à faire Savanari, moun Savanari qui demande à ce que asphalté ou soit adoquiné ou bien bétonné. Là, c'est travaux publics par rapport à spécificité, zone sac pour décider qui ça fait ou pas. Et vraiment, grand pile travail, capitaine, et matériel, grand pile travail, capitaine, équipe travaux publics, transport et communication dans le département Niplan. Il a habillé caravane lancée depuis le 1er juillet dans le département ça, et dans le Grand Sud là. Grand Sud là, il y a dans trois départements ça, qui concernés par caravane, département Nip, département Gradens et département Sud. Mais depuis 7 février, c'est tout le pays qui est concerné. Et là, dans Nip, grand pile GFOC qui mérite fait, grand pile GFOC tout commencé, il faut souligner, il n'y a pas habillé. Gagné inauguration CALDIA, centre réception et livraison de documents d'identité qui fait. Et là, bien tout le monde a regardé comment ça a branché, comment ça a marché. Est-ce que CALDIA lui aide effectivement à permettre nous NIP gagner accès à documents d'identité? Est-ce que vous avez fait sans problème? Est-ce que tout arrivez joindre tout sans problème? Alors, là, bien pour nous gonger sous département ça, et chaque samedi, équipe télévision nationale d'Haïti a fait un devoir pour la tourner, parler avec nous, parler avec l'autorité, ouais, ça que tu dis, est-ce que c'est ça qu'a fait pour tes images, et puis, ou même qui l'a caillou, en Haïti ou à l'étranger, faire une idée de qui ça a fait, de qui ça a fait comme différence, est-ce que ça dit effectivement, c'est yo qui arrive fait. Alors déjà, nous faisons gros râler, nous sommes dans nos pays, nord pour l'inauguration et route de la Badia. C'était matin, le président républicain Jovenel Moïse, qui était avec lui, représentant Banque mondiale dans le pays, et qui inaugurait route de la Badia. On précisait pour l'inauguration route de ça, c'est grâce à Bourade, l'agent Banque mondiale, il rentre dans le cadre vision président Jovenel Moïse pour supporter le secteur touristique là, créer conditions pour plus de monde visiter la Badie, qui sont zones touristiques, nous te soulignons d'ailleurs, qui attirent plus de visiteurs en Haïti et puis qui arrivent à connecter toute commune à la section communale dans le pays. Gagné Eluna Noyo qui est bravo pour construction route ça, qui c'est résultat caravane en changement. Je souhaitais l'argent qui rentrait à travers environ 600 000 touristes qui visitaient la Badie chaque année, hein, retourner une faire développement dans la zone. Non? Bien te dire, c'est une préoccupation élue pour que l'argent qui arrive à la Badie, pour que la Badie rete et le permette un ensemble de travail de développement qui arrive fait dans la zone la Badie. Et puis, le président Jovenel Moïse, dans le cadre d'inauguration de ça, il promet pour continuer de travail dans l'idée pour le secteur touristique, là, rentrer plus l'argent. Et puis, vendre une belle image dans le pays. Nous avons quitté le département NIP, mais avant de quitter NIP, on a regardé avec le responsable caravane de NIP qui ça qui déjà fait et qui ça qui a bien pour faire dans le jour qui a venu là. Alors, perspective, qui ça a eu avant de quitter le département, pour la fondamentale, pour même regarder qu'on est, et le département NIP, à qui ça nous attend pendant le passage de caravane sous le département ça. Depuis 15 juillet, caravane dans le département NIP, spécialement dans Baradère, côté que nous avons un pile travail que nous commençons à faire tant sur le plan infrastructure. Nous avons intégré un pile problème dans la question route pour sortir gros marin et on nous dit bonne fin pour arriver Baradère. Et avec le travail caravane, nous avons un pile travail qui est réalisé sur route en Baradère.
Et je vous dis à route Baradère et Thomas suivre qualité pour moun cap vivre dans Baradère et moun cap fréquenter Baradère. Je vous dis à nous cap dit qu'il y a un gros travail qui fait dans niveau Baradère côté gagné une gros amélioration qui fait avec sans difficulté moun cap sorti et Cavaillon pour yo rentrer dans Baradère. Et non seulement route et Cavaillon Baradère là nous te gagné tronçon route Baradère font Tortuga qui était un massifé côté ou capable prendre 1 heure de temps et demi pour sortir front tortue pour rentrer et pour rentrer Baradère et les gens monde malade qui et cap sorti front tortue c'est un gros problème que lié pour arriver Baradère dans l'hôpital et bien je dis avec travail caravane nous capable dit front tortue et vienne pas représenter rien encore et nous capable dit à 15 minutes 20 minutes au monde cap sorti front tortue pour rentrer dans Baradère. Ça veut dire que un gros travail qui réalisé sur le plan infrastructure et dans Baradère avec caravane. Et caravane a continué de travailler toujours sur Baradère pour les sortir Baradère, pour les rentrer dans petit trou de NIP. Et non seulement infrastructure, nous sommes capables de dire que caravane a grand pile le travail que l'on fait. Parce que nous connaissons caravane pas seulement route, caravane l'agriculture tout. Et sur le plan agricole, nous avons un pile de travail qui commence à fait. Par exemple, nous avons 11 périmètres irrigués qui sont dans le département NIP. Nous avons un qui est dans Baradère, qui s'est cocoyé. Nous avons travaillé sur lui côté depuis le mois de décembre. Nous avons curé le périmètre irrigué. Nous avons un Savo qui a un périmètre irrigué, qui s'est Ourouk. Périmètre irrigué, nous avons travaillé sur lui tout depuis le mois de décembre. Et nous continuons à travailler sur lui pour nous capturer, permettre que les agriculteurs qui travaillent dans la zone Sahel aient facilité pour jouer de l'eau, pour arroser et pour être capable de faire denrées. Et nous avons en plein aboiram dans Miragouane, et côté que vous visitez pendant la journée ensemble avec nous, qui gagnent 7 périmètres en tout. Et nous, tous les 7 périmètres Sahel, nous avons travaillé sur eux depuis en décembre. Et nous avons pris une semaine break et nous avons commencé lundi. Avec périmètre Sahel, où tu visité Batado, qui c'est un gros périmètre qui gagne dans plein Aboiram. Nous visité Pascal, nous visité Dufou, nous visité Diableux, nous visité Jovanche, nous visité Dimizène. Tout ça, c'est périmètre irrigué qui gagne dans plein Aboiram qui sous Miragouane. Donc tout périmètre Sahel, à l'aide de caravane, il n'y a pas de jam curé qu'on y a là, caravane à curé. Et les paysans ont commencé à joindre de l'eau, les gens ont besoin de l'eau pour qu'ils soient capables de planter. Et non seulement les curages que nous faisons dans le périmètre irrigué, mais nous gagnons une distribution de semences que nous faisons sur tout le département de plan net, côté que nous avons environ 30 tonnes de poids pour planter, être capables de planter. Et dans la période campagne d'hiver, là, côté que nous avons 30 tonnes de poids et nous avons 30 tonnes de maïs à paysans. Nous avons environ 1 million de plants bananes pour que les habitants puissent jouer dans le jardin qui est écrasé pendant le cyclone Mathieu pour qu'ils puissent replanter les bananes encore sur le département. Ça. Nous avons environ 14 millions de boutures bois patates côté bois patates, on dit, pour qu'ils puissent planter patates dans tout le département. Nous avons environ 3000 cabrites pour éleveurs, monde qui fait élevage, pour capable quitter des bêtes encore qui disparaissent dans le cyclone Mathieu, pour capable recommencer avec élevage là dans le département. Et non seulement cabrites, nous avons environ 10 000 poules. Alors c'est pas poules de chair pour manger, mais c'est pour 2 ans poules qui baillent œufs, environ qui baillent 2 œufs par jour. Et moi je pense que nous avons un bilan qui est extraordinaire dans le travail caravane pour petit bout de temps que nous rentrons dans le département NIP. Et grand pile l'autre travail encore, par exemple, nous sommes rentrés dans Savane-Henri, côté que nous avons un bel tronçon route qui a fait sortir l'Omo, qui a rentré traverser Savane-Henri, qui peut rejoindre avec Côte de Fer. Et nous avons un bel pontou qui est jeté sur rivière et sur rivière et comment rivière s'arrête encore. Et bon, nous avons échappé moins. Et sous même sous troisième, et non, ça va en toujours. Pour ça, il est déjà jeté, ou visiter lui, ou elle. Tout ça, c'est le travail que caravane a fait pour que la population soit capable de joindre, yon souffre avec misère, il a passé dans le problème de route dans le pays d'Haïti, et misère qu'il a passé tout, les pour faire jardin dans le pays.
Ça, c'est pour le département NIP. Nous retournons sur ça déjà fait avec le responsable là. Il parle tout de ça qui a gagné pour fête dans le département ça. Alors, nous faisons nord, nous faisons nord-ouest, nous faisons NIP. Direction sud, quoi, il est là. Et week-end ça, c'est Ricardine Desanges qui était dans le sud pour TNH. On a regardé avec Ricardine, quand elle était passée, ça a été ouais, avant d'aller dans l'image. Bonsoir, Ricardine. Bonsoir Serginho, bonsoir à tous les téléspectateurs, téléspectatrices Télévision Nationale d'Haïti. Et j'en ai déjà annoncé le Serginho Lindor, nous l'avons fait encore télévision, nous allons souterrain dans le département sud du pays pour nous regarder comment ensemble le travail qui a fait dans le cadre de caravane de changement, comment il a avancé dans le département si là. Et il faut dire que pour le week-end, nous avons visité Villocay, nous sommes sortis dans Villocay, nous sommes allés dans la Martinière, dans la commune Campérin. Et si nous avons quitté la Martinière, nous sommes descendus dans Messin avec Lévi pour nous regarder comment ensemble travail qui a exécuté dans section ça dans la localité ça comment il a avancé et très certainement des gens population qui ont même des nous mon par rapport avec ensemble travail qui a exécuté comment yo well et surtout comment yo apprécier travail que caravane changement lui-même l'a exécuté depuis quelque temps dans département sud. On a noté que déjà gain diverses rues dans Villocay qui pratiquement fini réhabilité et dans commune Campérin qui c'est également le cas puisque gain Messan avec Lévi qui côté à para poursuivre avec travail asphaltage. Et très certainement pendant l'émission ça on a invité tous les téléspectateurs à rester branchés puisque il y a une possibilité pour capable vivre en image ensemble travail ça. Ricardine Desanges depuis département sud là TNH. Merci à Ricardine, nous pas faire mon autant trop, nous pas regarder l'image, nous pas regarder qui sortait visiter pour nous comment vivre ont été. Et premier côté là mené mon c'est dans ville au cas puisque c'est dans ville là Ricardine souhaite parler avec nous. Qui j'en saye, ensemble de travail qui t'a fait dans pile zone dans Villocay, Bonatcom, Bois Cathédrale là, et qui j'en saye, est-ce que le travail est fini? Et travail pour asphalter diverses rues dans Villocay, parmi les présidents de Dil, caravane n'a pas quitté la ville là, sans toute rue ou pas asphaltée. Ricardine, t'es fond vieux dans diverses zones dans Villocay, qui j'en saye. Villocay fait partie 18 communes qui gagnent dans le département sud des pays d'Haïti, qui depuis quelques temps recevoir travail caravane changement qui est en sur le grand sud, c'est-à-dire qui est en sous département NIP, Grandance Ac sud des pays d'Haïti. Et pour aujourd'hui, nous sommes allés visiter Villocay, nous avons regardé comment quelques rues en dans ville qui déjà recevoir travail réhabilitation route payoyer après travail si là. Et nous avons permis de vivre comment habiter eux-mêmes à vivre dans diverses rues après ensemble travail réhabilitation route. Ricardine Desanges pour Télévision Nationale d'Haïti depuis Villocay. Alors là, dans la ville au Kay, il y a un peu de travail qui est fait, et surtout sur l'ouverture là, et premier grand rue, deuxième grand rue, Bonatcom. Un peu le travail asphaltage qui arrive et fait avec l'image là, si vous voulez que vous avez tout et ouyo, mais dans l'ensemble, nous gardons gagner un travail qui arrive exécuté
pour diverses rues dans la ville au Caï depuis les caravanes ont lancé. D'ailleurs, on dit que c'est une ville qui bénéficiait d'un pile travail asphaltage jusqu'à preuve du contraire. Et l'équipe caravane qui promet de ne pas quitter sans toute rue pas fini. Et avec les Casines des Anges, nous confirmons via Imagio comment ça y est dans la ville au Caï. On a toujours été dans le sud. On a la Matinière qui, pour nous regarder, qui en réalité zone ça y est lui-même. Qui s'arrive fait, habillé avant qu'avant a été lancé dans tout le pays à 7 février qui se passait à 1er juillet, et c'est Grand Sud là, qui a été lancé. Et Ville au Caï, département sud là lui-même, ensemble de travail qui t'a exécuté depuis le 1er juillet jusqu'à Josia là. Pour la Matinière, qui sa réalité a qui s'est changé, qui s'arrive fait, qui sa caravane a poté, est-ce que il y a un changement tout bon vrai? Ricardine des Anges, la bonne réponse quoi elle est là. Caravane changement toujours dans le département sud de PIA et je dis à la télévision nationale d'Haïti, nous au niveau de la Matinière, nous prêts à aller garder ensemble avec Mounio comment travaille caravane changement les mêmes avancé dans la zone si là et comment la population tout les recevoir travail ça. On a notifié pour à premier regard capable de constater asphaltage route là qui a continué en même temps tout gain travail canalisation qui a fait à côté de ça gagné travail électrification qui a fait dans la zone là. Nous prêts à regarder tout ça Kounia ensemble avec les populations et les gens qui travaillent dans la zone. Quel travail comme président dit n'importe travail qui vient dans la zone, nous t'adresse au courant tout pour nous participer, courage par nous, participation par nous. Nous-mêmes nous bail courage par nous, participation par nous, volonté parce que nous avons volonté pour nous travailler à la caille nous et nous toujours voulons travailler. Et nous comptons avec le travail président à faire en dents. Et localité, ya. Travail ça, yo, population, recevoir yo, 100%. Ouais, nous pas même mettre le 90. Nous mettons 100% que la population est contente avec le travail qu'elle fait là. Et vous félicitez le gouvernement, ça, en pile, et vous demandez pour continuer le travail, ça, vous êtes dans la section et nous faites un travail à faire comme. Vous en pile côté, nous suivons. Même là, vous n'avez pas fini, vous continuez le travail pour nous, c'est tellement nous content. Même en tant qu'ingénieur qui est dans la zone, nous l'appui tombé, mais avant de ça, qui impact ou elle fait dans la zone, est-ce que vous remarquez la situation de circulation dans la zone de la Matinière, elle est pratiquement améliorée? Bon, route la fête, situation très améliorée, parce qu'avant ça, c'était en terre battue, il y a un pile trou là-dedans, donc égal pour le moment, c'est un bon travail qui fait là. Je suis content de lui. Je suis content parce que j'étais bien travaillé. Faites pas bon ici. Mais avant ça, qui est la route de Matinière lui-même? Bon, route de Matinière n'est pas bon. Pas de bon même, non. Plus pas de tarif, non. Puis, bon, bah, net. Je sais que je travaille bien parce que moi, je suis content de ce qu'il a fait là. Et je remets tout. Si je ne remets pas, je ne vais jamais accepter le fait. Même si on travaille, je vais faire. Si je ne remets pas, je lève compte de lui quand même. Je remets. Avant ça, route Matinière, comment ça te? Bon. Là, avant ça, il n'y a pas de bon même. Parce que les gens de l'eau là, puis de l'eau tombée là, sous toute la ria. Sous la ria, des fois, on va marcher dans la ria, et à côté, on va passer, il y a un pile tout là-dedans. De l'eau n'a pas de rigole pour le courir. Sous la ria, seulement, on va courir. Le canal de fer est important pour l'eau, parce que pour l'aide de l'eau à venir, pour ne pas monter sous là, toujours avec tout. Il y a plus de machines qui circulent et tout. Concernant le marché, il y a plus de machines qui circulent. Les gens à l'école, puis à l'aise tout. Des fois, elle fait la pipi au passage. Il n'y a pas amélioré le travail là quand même. Il y a un travail. Parce que il y a plus de gens qui sont à l'école et puis des activités et tout.
qui a fait dans la zone. Allez-y, nous avons une machine qui prend commerce, ça a un jardin et puis qui a le marché. Si nous sommes malades, nous allons à l'hôpital plus rapide. Et puis de l'eau, c'est un bon problème, qu'on a de l'eau pas un bon problème encore. Nous disons merci, président. Les lapins ont tombé, la boue. Bah, il n'y a pas de beau pour nous du tout. Après, les routes sont venues faire, tout le monde est content. Et si monsieur joue au football là, je suis en bas de lumière. Lumière surtout. Je suis content. Pour si on a mangé meubles, nous avons fait sale, ça ne va pas faire encore. Je suis content. En pile, en pile, en pile. Je remercie le président. Vous avez passé dans une zone avant où vous l'avez fait? Oui. Et comment ça a été? Bon, je suis passé là dans le bâton où je l'ai pas trop fait. Moi-même, quand je me suis dit que je me suis souvent en pile. Qu'on y a me senti très bon parce que qu'on y a rien autre non à l'aise on pas bouler caoutchouc l'autre monde pas bouler caoutchouc chauffer taxi on pas craser caoutchouc me senti bien à l'aise même sandales dès qu'on a bouler les gain roche ah bon et qu'on y a comment ça qu'on y a normal qu'on y a marche au centre normal tout là c'est lumière les lapis tomber tout de l'eau monter sous monde mais hauteur tout route là plein tout là dans toute bagaille mais depuis me connais m'a pleuvé premier président jeune qui fait ça pour nous. Allez, tout président est passé, c'est bas mon parole, mettez mon shit à attendre, nous ne pouvons jamais en sérieux. D'ailleurs, je dis président, merci, encouragé. Et je souhaite le tourner répondre au deuxième mandat encore pour le travail qui n'est pas fait pour le café de fête. Bon, route là qui vient faire dans la communauté, tout le monde est content. Et son bel bagage qui a fait à cause du président, nous sommes contents. Nous apprenons tout gagner poteau lumière que mettez sur route la kounia pour le soir l'éclairer route la matinée. Comment nous initiative ça? Est-ce que nous apprécions ce travail ça et qui ça nous a souhaité qui améliore la donne? Bon ça nous a compté améliorer la donne son bel travail lié c'est vrai. Mais c'est commencer pour qu'on finisse penser président penser toujours pour plus belle bagaille que ça qui fait. Nous recevons le travail ça avec un pile joie un pile contentement parce que ça fait environ 200 000 années depuis Tadoué gain route. Dans Mersan et Campérin, donc ça va jamais fait. Donc c'est avec l'arrivée du gouvernement Jovenel Moïse, donc nous sommes capables de bénéficier d'un tel travail comme ça. Donc pour nous, son mérite qui, son travail qui dépasse le mérite, donc nous avons moins encore pour nous dire. C'est une belle activité, qui permet que l'activité économique aille plus bien. Ça permet que les gens qui prennent le marché un peu partout, donc ils aussi qui aillent plus bien. Pas de blocus, ils pas misé dans la route. Même moun qui a fait activité business yo, ça permet que machine capable porter commerce pour yo sorti Port-au-Prince sorti n'importe l'autre côté manger capable sorti tout un peu partout Jérémy Beaumont arriver ici à sans problème donc encore c'est pour nous une question activité qui est rentable quand même certainement c'est ça parce que c'est ça qui aide en communauté c'est route c'est de l'eau électricité et puis moi après ça que l'autre bagaille est capable venir. La Matinière fait partie de diverses localités qui viennent de communes Campérin et pour jeudi, déjà pratiquement recevoir travail asphaltage pâle avec question électrification dans la zone. Et dans ce sens, on a suivi la population qui a même remercié le président de la République, son excellence Jovenel Moïse, pour le travail que vous avez fait dans la zone. Mais toutefois, il y aurait été quoi ensemble de travail qui a continué à faire dans la localité. Ricardine Desanges, depuis La Matinière, commune Campérin, Télévision nationale d'Haïti. En pile différence hein, dans le niveau Campérin. En pile différence, mon médecin, La Matinière, nous sommes gardés l'image, nous entendons, nous avons exprimé satisfaction, yo, et ça fait longtemps. Il y a un monde qui met le chiffre sous longtemps, mais en fait, on dit que ça fait longtemps, très longtemps. Depuis après tant de août, et La Matinière, on a Campérin de manière générale. Finalement, elle arrive tout non réalité avec présence caravane changement.
que ce soit Moun Mersan, Moun Lamartinière, Moun Abakan, Moun Aucan et Moun Lévy, et je dis à yo satisfait et yo exprimé satisfaction et le rencontré yo visiblement yo salué travail équipe caravane changement rivé fait dans niveau campéré. Généralement mon campéré il a parlé de la caillou dit son petit côté pas. Effectivement c'est un petit côté pas et petit côté pas par rapport avec l'environnement, par rapport avec l'hospitalité moun yo. Mais route là te fait problème. Je dis à là et Capérin qui vini sal dédouyer vraiment petit côté à part et moun k'ap chercher côté pour faire vacances. Jasmine a tande nous Capérin et avec route je dis à pas gain drame, pas gain trop et difficulté. Bon, on toujours être Capérin puisque dans sud nous y est. Nous pral aller quoi la Lévi, nous pral Lévi Farah pour nous connaître comment réalité a. Et me souhaite avant longtemps équipe Caravane TNH là font visite guidée Capérin. Ça on a moins parlé plus image chaque côté de rivière on a fait camper pour dire moun yo mais côté nouyé mais qui ça fait parler avec moun zone capable de nous comprendre qui gens ça té en vent et me passer la de bon temps hein et pour que équipe Caravane TNH là fait moun garder ça camper jeudi a avec présence caravane changement. En attendant on a regardé les vies ça Ricardine des anges t'est préparé pour nous pour semaine ça. Première section communale, tous les vies en deux communes, Camperin bénéficie jeudi à travail asphaltage pâle, travail construction route pâle, mais entre temps, gagné travail canalisation qui a démarré, qui pratiquement déjà commencé en deux tous les vies. Et dans ce sens, jeudi à Télévision Nationale d'Haïti, nous allons aller sous place pour regarder comment la population ou ensemble travail ça qui déjà fini et travail qu'après poursuivre comment y'a ouéli. Nous allons regarder ensemble avec la population comment y'a même mieux apprécié travail ça et pourquoi pas nous allons essayer de jouer ensemble avec techniciens et tout. Pour nous capables de garder dans quel niveau de travail, construction route, tous les vies même liés pour aujourd'hui. Vraiment impraticable. Et faut que moi dire mon campeur était plein en pile pour route là. Mais avec gouvernement ça qui vient qui mettait une caravane changement sous pied qui était ouais campeur dans programme ni, c'est ça qui fait que nous réaliser route ça là. Par analyse pour bétonnage là, faut que nous do bien que à partir de tous les vies pour arriver en Bacan, c'est une zone qui vraiment les la pluie tombée qui prend de l'eau. Yo était jugé bon, c'est bétonnage pour mettre là dans béton. Pour zone boy ici à côté on mettait alfat là sorti tous les vies pour descendre en bas Matinière ou Sauveau. C'est bon parce que les la pluie tombée pas aucun dégât qui fait. Yo te jugé que si on mettait alfat là dedans, pas gain problème. En tant que monde qui vit dans zone là, comment ouais l'autre habitant dans zone là recevoir travail ça yo. Faut que moi dire bien que travail là dans les travail là te démarrer campérin. Aïe aïe aïe, c'est en pile chaleur. En pile chaleur. Et tout le monde est content de travailler là. Tout le monde est content. Et ça nous joue dans le vraiment fait nous bien. Moun yo pas plein de transport public là, kounya, parce que yo retiré ou nan fatigue. Parce que de par avant, c'est on baisse levé, comme moun yo kon di longtemps. Parce que route là est praticable. Kounya, faut que nous disons que Camperin a ou kay kounya nan 25 à 30 minutes. Là, m'a parlé de excès vitesse. Ou ap gantan ou kay. Avant ça, route la te yon ti jan li te malouk parce que te gen yon wash la, yon fè bel travail, yon krasé, yon vin ouvel, yon mette nan forme normal. Route la ki fèt la jodi a ki avantage li pote bon en tant que chauffeur moto? En tant que chauffeur moto, route la ti fèt la li bay bel avantage parce que li til nou apil. Na ki se li til? Parce que li gen alfat, nou pa pran la boun, pa pran poussi ankon. Et nous très content, nous disons au gouvernement merci pour être travers cette fête là. Il n'a pas de toujours continuer aider nous toujours. Au même temps que habitant dans zone là qui joint au travail ça qui soit à estimer qui doit faire pour capable faciliter plus que travail ça arrêter de manière permanente. Moi même pour travail la continuer marcher vers l'avant. Mais autorité me darer mais qu'embe faire pour jusqu'à la fin. Qu'on y a ces béton
nous camper sous béton qu'on est à ces canal n'a fait pour que ça parce que pour nous protéger asphalte là qui yo mettez sous route là pour que nous mettez canal pour capable drainer de l'eau pour capable porter aller pour pas craser béton travail là pas avancer assez bien yo venir avec canal là parce que surtout en bacan tu gagne un béton qui posé béton en fait même jour tu gagne la pique tombé gagne volume d'eau qui sorti en haut qui descend en bacan et yo ouais c'est pas yo faut yo faire un canal entre en bacan et monter au camp qu'on est assez dans canal là pour yo capable drainer de l'eau qu'on y a de l'eau li pas envahi camper encore avec canal là on a fait là qu'on y a drainer de l'eau pour porter l'aller. Pour moi-même, c'est félicitations Total Capital de Bacan, Tout-Levis, Matinière, pour virer toute zone ici à là. Tout le monde a félicité, bon travail. Dans le niveau de travail là, félicitations pour le gouvernement, à tout le président, parce que depuis que je connais Boïsia et Monissimier, je n'ai mangé poussière. Mais actuellement là, on a réduit mon yolan luxe. Et le travail ça a mérité quoi? Et le travail ça a fini définitivement pour ne pas louer beauté qui est dans la zone là, par rapport aux gens qui ont vivre. Ça fait me voyer un coup de chapeau pour Jovenel Moïse spécialement qui a opinion ça qui fait tout le monde ça balancer le travail vers l'avant. J'ai 15 ans depuis que j'ai visité dans la zone. Bon, c'est le président ça qui vient retirer nous dans la poussière. La poussière, c'est qu'on a fatigué nous. Toute journée, il faut envoyer de l'eau pour nous faire la caille nous sale. Bon, enfin, le président, il fait pour nous route là. Nous pas besoin de rien, mais encore ça, nous satisfait de ça. Il fait pour nous. Parce que moi-même, actuellement, avec le business là, après, ce n'est pas même vie. Parce que nous devons chiter à côté, chiter, lui manger, lui boire. Ce n'est pas même histoire. Bon, je peux me féliciter, président. Et je ne suis pas président encore comme ça. Comme Bab Kaba, ballon l'autre mandat mais m'attend l'autre monde l'a voyé en grande foule monde campérin n'a voté si pour t'avoir commencé dans ça t'a pour plusieurs années parce que nous pas de bon même la piété qu'on a mais de là qu'on a tout en caillonnette mais grâce à président Jovenel nous chapper campérin ancien avec campérin de nos jours c'est deux bagages nettement différents juste m'pas compte qui ça m'a dit comme remerciement me penser que tout ça fait il gagne un but. Et chaque chose en son temps. C'est que c'est pas aujourd'hui qu'on a souffert pour Campérin. Nous pas jamais qu'à gagner route là de un jour. Et que aujourd'hui là grâce à président Jovenel Moïse, nous réussissons gagner route ça. Et la seule chose n'a prié bon Dieu même Jean Campérin réussit aujourd'hui pour se constater en l'autre zone capable du succès. Travail ça fait travail là li bon pile travail là très important parce qu'il en poussière nous tire qu'on nous pas en poussière encore pas bon ici. Et ça me dit du gouvernement, c'est merci n'a du gouvernement pile pour parce que premier monde qui était passé il pas jamais fait rien ce gouvernement ça c'est les cap fait pour moi pour là son bail qui très important peut bon pas espérer si n'ta bien route bon grâce à Jovenel Moïse nous avons une belle autorité après c'est vrai m'a dit Jovenel Moïse merci en pile parce que t'a bail bon service dans pays depuis gain route a bien toute activité capable de bien marcher m'a dit merci en pile me sentim vive à bas poussière et puis vive Jovenel me sentim vive de ça cap fait là me content parce qu'on bagaille qui me pas espérer qui me ta rejoindre depuis jeune moi très content parce que moi, président, pour un grand travail dans la zone de Messin. J'aime dire qu'on a l'école, parfois. Et nous, dès qu'on a le sous-machine, des fois. Et si tout les là, puis tomber, nous ne pouvons pas dire qu'on a l'école. Parce que l'arrière, l'école est pleine d'eau. Mais la machine n'est pas qu'à marcher. Pour marcher, c'est pas un pied, nous obligés de retirer. En plus, toujours, l'arrière est toujours plein de poussière. Qui est qu'on a dérangé nous, ben nous maladies. Quand y a là, nous avons marché à pied, j'en ouvre. Et avec tout là, président fait là. Et qui sont en dit président de la République là et comment on sent tout par rapport avec le travail ça au café là. Bon, ça me donne à dire c'est continuer le travail parce que ça le fait bon pour nous en pile et moi vraiment content et le travail ça le fait dans le pays. Et depuis me lever c'est le président moi qui travaille parce que m'a jamais jeune route ça fait et je dis à le fait me dit merci avec le président nous. La lable de quand tomber comment on fait avant savoir l'école. Et quand à l'école à sandales moi venir ça là me tirer sandales à me tennis à chaussettes moi. Et qu'on y a comment on va à l'école qu'on y a. À l'école à tennis
m'aller à l'aise. Un petit président me remercie pour tout ça qu'il fait pour moi. Comment vous sentez-vous? Je suis à l'aise. J'ai 53 ans là pour le moment. Je ne sais pas si route cabrit, mais c'est une route cabrit. Pourquoi ça vous connaissez la route cabrit? Parce que la route là, depuis que l'eau a sorti en haut, nous n'avons pas une route. Mais pour le moment là, nous avons dit que nous avons une route dans le sang. Parce que non seulement les gens Lévi, Camperin, les montants en haut, tout a demandé pour nous souiller pied nous pour nous parler ça l'alphat là. Et mais c'est même bagage ça nous pas l'appliquer tout. Moun qui saute puis bas passer nous, faut souiller pied tout avant de monter moi ici. Mon cher président Jovenel Moïse, vous faites 22 mois campagne, fait 22 mois campagne là avant. On pas touché pour ça, mais ça ban nous l'amersant, me félicite ou. Me félicite ou. M'ba ka yon nou pou m'ba un gros plan en l'anmen, mais nous souhaite ou ap vin nan mesan, laisse an abo m'lize nou nan mesan pour nous accueillir. Nous même nous passons tout au cas et puis ça asphalte n'ap mette. Asphalte là, nous avons un président qui est sérieux comme tout en dit. Chaque fois m'balé sur Télé Guinée samedi, quel que soit radio qui vin nan m'balé, c'est samedi, nous avons un président qui est sérieux, qui travaille pour le pays à avancer. Si tout président qui est passé, qui travaille comme ça, et bien nous avons un pays sérieux. Et Haïti pas tapion Haïti encore tapion bel paradis côté moun sérieux à vivre. Voilà, téléspectateurs et téléspectatrices Télévision Nationale d'Haïti, vous pouvez suivre ensemble avec nous là, intervention différents habitants et techniciens qui, je dis à la, dans la zone Lévi, pour y faire Messan en deux communes, Camperin, Tabay, Moparo par rapport avec asphaltage, route Messan avec Lévia qui a rapproché. Et là, on a notifié pour que par jour, techniciens qui a travaillé dans l'asphaltage, il y a eu pour capable bail environ une vingtaine de camions asphalte qui à peu près gagné entre 12 à 15 mètres cubes asphalte là-dedans. Donc du coup, nous permet une idée de comment travail asphaltage à lui-même n'a pas poursuivre et très certainement Télévision Nationale d'Haïti n'a pas poursuivre avec Viré Ronuyo pour nous capable regarder comment reste ce travail cavagne même y avancer en dans département sud là. Ricardine des Anges, Télévision Nationale d'Haïti, Camperin. Une des anges, nous faisons une pierre de coups, nous gardons côté travail fini, nous gardons tout côté travail avancé. Là, au niveau Messan, travail qui a continué. Nous avons l'équipe travaux publics, transport, communication qui a pied d'œuvre et qui a continué à asphalter en pile côté dans Messan. On a Lévi et on dit travail sans c'est fini, mais pour Messan, travail qui a pas poursuivi. Eric Adinte permet non seulement nous parler avec les membres de la population, mais tout avec responsable travail. Qui a une idée de qui sa situation est aujourd'hui et à quel niveau il a avancé et population qui exprime satisfaction. Visiblement, nous sommes satisfaits et encourager l'équipe Caravana, encourager le président de la République là, pour avancer avec la stratégie, ça, stratégie qui c'est Caravane Changement, permettre que ensemble institutions viennent porter service à la population, permettre ensemble institutions viennent pipre mounio et répondre à ensemble de besoins urgents. Que la communauté a fait face, je veux dire, parce que je ne suis d'accord sur lui, son pays chargé priorité. Là, maintenant, tellement de problèmes, il faut gagner et en pile, vraiment en pile, mesures qui prend au niveau de l'État pour arriver à ce qui s'est fait pour adresser quelques parmi les problèmes sérieux. Ça qui très certainement a aidé les gens à vivre leurs gens, ça qui très certainement a fait une différence. Je ne vois pas la différence sans comment c'est fait dans les vies, dans la matinière, dans le Camperin de manière générale. Il a toujours été dans le sud. Fois ça, il a dit des anges a mené nous Simon. Oui, Simon. Simon, zone ça, pour moun habitué à la convention de la mission évangélique baptiste du sud d'Haïti, MBSH, puisque c'est la quartier général mission ça y est, une grosse mission protestante dans le pays, ou bien dans le sud, si vous voulez.
Eh bien, route ça combaille en pile difficulté. Surtout les lapis tombés, en pile de l'eau, en pile la boue, ça qu'on dérangeait chrétiens protestants qui a fréquenté zone, chrétiens protestants qui toujours dans rendez-vous MEBSH là. Et une grosse revendication, nous songe chaque fois gagner convention et autorité yo à l'assister dernier service convention yo, revendication chef mission c'est pour que route Simon li asphalté. Finalement, avec présence caravane, monsieur dame MEBSH joigne satisfaction à revendication yo, puisque le travail a démarré, ça fait longtemps. Là maintenant, nous allons voir qu'on est dans quel niveau de travail il y a. Est-ce que vous êtes campé? Est-ce que vous avez avancé? Qui s'est pour faire? Est-ce que déjà pour la convention ANESA qui prévoit pour mars ou avril, est-ce que les chrétiens protestants sont capables de jouer une route asphaltée ou bien bétonnée pour avoir accès à Tabernacle Simon Kay? Question, nous allons une réponse avec Imaïsa ou Kabvini tout de suite. Voilà, téléspectateurs et téléspectatrices de la télévision nationale d'Haïti, nous toujours soutenons, nous avons regardé comment ça y est au niveau de différentes rues dans la ville locale, pour nous regarder comment ça va avancer. Il faut dire que là maintenant, nous sommes dans la cité Lumière qui trouve la cité Simon. Nous avons regardé le travail de bétonnage qui a fait dans la cité Silla et très certainement la population a gagné mon parle. Pour lui dire par rapport avec le travail ça qui a effectué en dans cité Lumière et selon première information qui est déjà je ne mes responsables il y a jusqu'à 4 avril pour être capable de remettre travail ça au puisque pratiquement c'est le ça qui a gagné convention que nous connaît mission évangélique baptiste sud d'Haïti lui-même il a commencé à organiser convention ça mais entre-temps on a regardé ensemble comment population il a vivre travail bétonnage ça qui a fait dans la cité Lumière jeudi. C'était un projet qui était là depuis longtemps et qui n'a pas jamais abouti du tout. Et parce que c'était un projet qui était là, qui n'a pas jamais fait, mais quand même, sous le président Jovenel, le projet a atterri en attendant que nous soyons au kilomètre de travail sur lui. Je pense que les gens au moins. Le facilité font tant camper, tout. C'est un petit problème. Et qui défendent en campé, mais avec. Bon, je parle de ça franchement. Nous avons un ministre de travaux publics qui est très et a avancé avec un ingénieur CAM qui est un monde qui est très jeune garçon, qui est vraiment dynamique, qui travaille. Quand même, nous avons arrivé à avancer là avant convention pour que vous la faites. Un directeur départemental qui est très fougue pour le travail, qui est très fou pour le travail. Et depuis monsieur yo bal matériel et puis tout matériel yo bali et puis monsieur prêt pour le travail la nuit et le jour et monsieur gon équipe tout qui est très solide avec elle et monsieur en tant que un jeune garçon au caï et puis son bon choix président Fedes que li ban nou monsieur comme directeur départemental. C'est un grand plaisir de que TNH entre dans Okaï et visiter le travail qu'a fait dans Simon. Pour moi même, c'est un très bel travail qu'a fait parce que depuis plusieurs années, Simon a besoin de travail. Ça, moi, je suis étudiant en génie civil, mais en troisième année. Mais pour moi, c'est un grand travail, mais travail qui est en pile bagaille. Parce que même Jean, monsieur a dit tout à l'heure, il n'y a pas quitté piéton pour moi passer. Ça a causé un pile danger dans Simon parce que les gens sortent dans le cafou Simon pour rentrer dedans, à moto ou bien à machine, les gens ont causé un pile de dégâts parce que pas de piéton pour l'autre monde marcher. Mais c'est une très belle initiative, moi, mes façons de faire là.
Cité Lumière fait partie de divers espaces qui peuvent recevoir travail construction route et je dis te ba ou possibilité pour être capable de gagner une idée de comment avancement travail bétonnage route Cité Lumière là lui-même qui est en sur environ 1 km à avancer. N'a noté pour que yo gagne juste à commencement mois d'avril là pour capable remettre travail ça puisque Cité Lumière a gagné pour capable recevoir convention mission évangélique sud d'Haïti qui a gagné pour organiser 4 avril cap venir là. Mais à côté de ça, il y a environ 150 personnes qui ont fait travail sous chantier ici là. Ricardine des Anges, depuis Cité Lumière, dans la ville locale, Télévision Nationale d'Haïti. Alors, nous avons Cité Lumière et Simon et Okaï. Cité Lumière, et c'est base MESH, Mission évangélique baptiste du sud d'Haïti. Et là, après naissance Radio Lumière, 20 février 1959, ben presque, on nous dit toute institution Lumière, toute institution Mission, on a pris une signature Lumière. Alors, ce matin, Radio Lumière fêtait 59 l'année d'existence. C'est ça qui fait dans Cité Lumière, il y a un dispensaire Lumière, il y a un guest house Lumière. Et puis voilà, il y a Radio Lumière, très certainement. Et tout ça, c'est sous direction MEBSH, la mission évangélique baptiste du sud d'Haïti. Et convention Jean-Ricardine Zodino, c'est pour la semaine 4 avril là. Et là, Gampile, chrétien protestant qui a fait des placements, qui a sorti tout de côté en Haïti, mais tout à l'étranger. Et route Simon, hein, et c'était quand même une plus grosse difficulté, nous qui avons fréquenté, nous qui avons dans la convention. Et à ça, monsieur et dame TPT se promettent pour que d'ici avant avril, que route là est accessible et fin bétonné. Et ça, c'est vraiment une grosse satisfaction, non seulement pour la responsable mission, mais tout pour tout le monde qui est dans Cité Lumière, qui est Simon, pour tout le monde qui est habitué à aller Simon, particulièrement Cité Lumière. Et c'est avec Image Sayo, mes amis, la prend congé de roue. La première, toute équipe de Bourad. Vraiment, nous faisons un gros viréon à Soya. Nous sommes dans le nord, hein, avec l'inauguration de la route là-bas d'Ian, le président républicain est sous place. Nous sommes dans le nord-ouest, nous sommes en Safouleur, nous sommes allés Saint-Louis du Nord, nous sommes à Cafoujoff. Hein, et nous parlons avec non seulement l'autorité locale, mais tout, même la population, pour dire nous qui sa réalité, le département Saïe, commune Payoye, et qui sa prétend de présence caravane. Nous sommes dirigés nous dans NIP. Oui, pour nous regarder qui ça a fait dans l'île, puisque nous avons un ensemble de matériel que la direction départementale la recevoir, direction départementale TPTC recevoir, qui ça a FACIO, qui travaille qui commençait, qui travaille qui a exécuté, mais qui travaille qui peut l'exécuter. Et après, nous sommes allés dans le sud pays avec Ricardine, côté nous avons la Matinière, nous sommes allés Lévis, nous sommes allés Messin, nous sommes passés dans la ville là pour nous regarder qui ça a fait. Et depuis qu'on va arriver dans la ville locale, et nous avons fini Simon, Cité Lumière, côté travail, construction route là, avancé sérieusement. Merci en pile parce que tu as accordé une petite ça pour nous suivre comment ça y est dans le cadre de caravane changement pour ce maintenant. Toute équipe là, tu es content de servir une fois encore. Farah est dans la régie en Delma 33. Merci à Jasmine Lorsemé qui t'a accompagné nous, à Harry Denis et Audiomon. Véry Valtrin et Oni Gassan, Junior Avril, Joseph Lebou, tout est présent dans le studio. Naomi Sabrina Sidde, Tébano Bourad Pal dans le montage. Michaud Joseph, Richardson Joudan, Pems Jean-Baptiste, Ricardine Desanges, était souterrain. Merci à l'équipe toutes les restes production, directeur particulièrement, Saül. Merci à l'équipe technique. La mise en ordre, Patrick Jean-Pierre, et assistant directeur programmation. Hein. Et puis Ralph Bernard, on fait encore sur place pour faire coordination. Tout ça sous direction du directeur général, Gamal Jules Augustin. Merci tout le monde. Bonne soirée. Restez sous TNH. À bientôt.